バカみたい子供なのね夢を追って傷ついて嘘が下手なくせに笑えない笑顔を見せた I love you もろくに言わない口下手でほんまに不器用なのになのになのにどうしてさよならは言えたのダメだねダメよダメなのよあんたが好きで好きすぎてバカみたい バカみたい本当バカねあんた信じるばかりで強い女のふり切なさの夜風浴びる一人になって三年が過ぎ街並みさえも変わりましたなのになお膝にほんまにろくな女やない男やないその意の指は外しますざまみろせみせいするわいい加減待っててもbonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui d'abord test micro. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on va se retrouver cette soirée pour le JDR du mois, l'épisode de JDR du mois. Donc en compagnie de Sancho, Ebalidur, Aldrea et Morianne. L'épisode s'intitule Mordheim, nous voilà, parce qu'on va donc, je laisserai la MJ faire le topo, mais donc, je spoil un petit peu. On se retrouve, je vais laisser la parole à mes collègues de ce soir. Je vous fais des bisous, et à tout de suite. C'est pour ça qu'il fait aussi froid. Ils vous entendent, les pas beaux. Bah, on parle de géographie, ils veulent dire quelque chose, les pas beaux. Salut les moches. Bonjour. Salut les moches. On est en train de leur apprendre des choses. Vous nous avez pas manqué les moches. Ils agressent direct les gens. Bah, vu la tête au carré qu'il a maintenant, c'est plutôt lui le moche. Ouais. Mais... je crois que si je faisais un sondage sur quel PJJ je devais taper, je crois qu'on saura très vite sur lequel. Hein. Le nain. On le sait tous. Bonsoir tout le monde, comment vous allez? Je pensais qu'elle nous parle à nous. Ah non. On attend juste notre Mercurio national. Ok. Aldrea, tu peux aussi te mettre en as, je sais plus le nom de ton perso là. Oui, j'arrive. Alors Mercurio, tu vas l'attendre longtemps parce que mon personnage c'est Mercutio.
Oui, bon, Mercutio, Mercurio. Oh, et percussion, il va se ramener, et puis voilà. Hein. Alors. Tu vas te faire percuter, toi, tu vas pas comprendre. Attendez, non, mais on peut déjà commencer à prendre les paris. Coucou, Srak. On peut déjà commencer à prendre les paris, ne serait-ce qu'entre nous, et puis après, on redemandera aux viewers quand il y en aura un peu plus. Ce qui est hors JDR, ne se passe pas. Combien de temps va mettre Eba? Ce qui passe hors JDR n'a pas d'implication dans le JDR. Combien de temps va mettre Eba avant de devoir reroll en elf? Parce qu'il se sera fait tuer par quelqu'un du groupe. C'est. En vrai, je sais pas, ça dépend dans combien de temps il va se réveiller après ton coup de bouclier. C'est dommage que les paris, c'est dommage que les paris soient limités à deux, sinon j'aurais bien fait un pari sur le premier des 4 PJ qui allait mourir. C'est. Non, mais en fait. Pas Eba, de mes mains. Le perso de Eba, en fait, il est réveillé, mais il fait semblant, en fait. Tu sais, quand il voit. Il a les yeux ouverts tout le temps, puis quand il voit quelqu'un arriver, il ferme les yeux, tu vois. Il ferme les yeux, genre, laissez-moi tranquille. Ce qui me fait trop marrer, c'est que ce JDR, il a pas du tout été conçu pour le PVP, parce que c'est impensable pour les MJ que les joueurs puissent se retourner les uns contre les autres. La merde, c'est parce qu'ils sont pas avec nous. Je te rassure, Aldrea. Le JDR que j'ai le plus masterisé, c'est Vampire, qui est littéralement du PVP. Non, mais je te fais confiance à toi, c'est juste que dans l'univers de Warhammer, les mecs, ils supposent toujours que tu vas coopérer parce que c'est trop la merde dehors, et plus grave blessure oui. Qu'on peut avoir reçu pour l'instant, c'était à cause d'Astellan. Non, mais t'inquiète pas, je vais encore ajouter des dissensions dans le groupe exprès. C'était pas un défi. On en a pas vraiment besoin, tu sais, on se débrouille très bien. C'est vrai, là, ça marche déjà très bien. Oui, mais c'est ça qui va être drôle. Ah, drôle pour moi, peut-être pas pour vous. Tiens, juste une question, Morrigan. L'arc, oui. Il prend en compte le bonus force ou pas? Non. Non? Ok. Il prend quel bonus en compte? Les dégâts de l'arc doivent c'est être, je crois, de 2 peut-être. Pas d'agilité alors, ou quoi que ce soit. L'arc, il me semble que c'est bonus de force moins 1 ou une connerie comme ça. Non, non, l'arc, il n'y a pas de bonus de force, ça j'en suis sûr. Parce que là, a priori, mon Kislevite frappe aussi fort, voire parfois plus fort qu'il ne tire à l'arc. Les dégâts d'un arc, c'est 3. C'est ça, c'est 3. Ok, ok. Enfin, plus 3, tu veux dire, ou 3 oui, de base. Un des 10 plus 3. D'accord. Mais si tu fais 3 de dégâts, tu peux juste faire des dégâts à aucun ennemi. Genre même un gobelin, il a 3 de réduction d'armure. D'endurance. Ouais, ouais. Globalement, ça fait autant de dégâts qu'une épée avec quelqu'un qui a 30 en force. Ok. En fait, avec les stats de Eba, quoi. Non, il a 20 en force. Non, j'ai 25. J'ai 25. Oui, c'est bien ce que je dis. Ah, j'avais compris 20. Attends, j'ai plus de force que toi. Quand je dis 30 en force, c'est entre 30 et 39. Quand je dis 20 en force, c'est entre 20 et 29. D'accord. D'accord. Non, mais oui, sinon, Eba, c'est le seul qui se lévite, qui a même pas la force de soulever sa chopine. Je suis un famélique. Ouais, je suis famélique. Il me semble de mémoire que t'as quand même un score correct en endurance. En endurance, je suis à 33. Et en agilité, je suis 38. Voilà. En fait, en Norska, t'aurais été tué à la naissance, en fait. En fait, dis-toi plutôt, je ne suis pas un... Je suis... Enfin, la force, toi, j'ai pas ça, mais j'ai de l'agilité, j'ai de l'endurance, donc dis-toi que je suis un bon coureur. Voilà. Je bon, cours bah, très bien. Donc, on va créer... si on a besoin de sous, on va créer une entreprise qui s'appellera La Poste, et notre messager, ce sera Eba. Est-ce que j'aurais des petites sandales avec des ailes tu oui, sais oui, si tu veux. Si tu ah veux. Oui. En vrai, ça marchera pas. Parce que il va se faire bouffer par la première bande d'hommes bêtes qu'il va croiser dans la forêt. Mais aie confiance, voyons. Tout de suite. Pas en force, j'ai pas confiance. Mais non, mais il va se tirer avec mais les justement, colis. Justement, je cours. Il va se tirer avec les colis et il ouvrira une succursale qui s'appellera Colissimo, tu vois. C'est... Oh, comme un con, j'ai fermé ma page. Je reviens. Je te laisse faire le
Le résumé des épisodes précédents ? Ouais. Ça va être court, hein. C'est quand même pas passé grand chose au final. Beaucoup d'embrouilles. Ça va être l'occasion de. Beaucoup d'embrouilles. J'ai tué un gobelin, j'ai cloué une femme à un mur, tout va bien. Ah non, ça c'était quand même il y a. Enfin, la femme dans le mur, c'était quand même il y a quelques temps maintenant. C'était à la première séance. La deuxième séance, j'ai tué un gobelin. Moi, j'ai tué Nendol. Enfin, le sanglier. Ah, moi, j'ai arrêté la charge du sanglier. C'est... Je me suis pris un coup de bouclier pour rimer en même temps, tu vois. Ouais, en fait, c'est toi, dans le groupe Eba, qui a pris le plus de dégâts. Tu tombes dans des escaliers, tu te prends des mandales. Que à cause de Stellan, par contre. Ah, toujours à cause de lui. Non, 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 vous oubliez quelque chose. Vous oubliez quelque chose. Il sert de sac de frappe à un adorateur de Nurgle. C'est... On va plutôt Korn, vu qu'on a eu un chien de Korn. De Korn, pardon, ouais. Oui. Korn. Il était là, l'adorateur de Korn, il était là à le boxer. C'est parce qu'il a vu la moustache, il a cru que c'était un slanchy. Puis tu sais, il était là en train de lui dire « pique comme une abeille et vole comme un papillon », tu vois. C'est... Oh putain. Oh putain, c'est pour ça toutes les salades de fruits qu'il m'a envoyées, quoi. Asté, tu as fait le tweet pour dire qu'on était parti. Oui, tout est fait, tout est fait, tout est fait. Et salut, Sam. Coucou Céline, coucou Ragna, coucou Zitoire, coucou à toutes les personnes qui arrivent. Coucou juste Zitoire. Il y a Ragna qui est prêt à créer des mèmes à la chaîne, là, c'est bon, on est paré. Pour l'instant, nous meublons en attendant que notre cher MJ soit prête. Moi, je veux. Moi, je suis prête. Je vous attends. Let's go. Tout le monde s'attend. Let's go, ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on a amené notre pauvre ami alcoolique à l'auberge pour qu'il se remette de son coup de bouclier ? Mais oui. Alors on va faire un petit peu une petite ellipse, hein, histoire d'accélérer un tout petit peu, qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Parce que bon, là, ça fait quand même 3 séances que on fait les préparatifs. Ça fait 2 séances, mais oui. On est sur la troisième. Après avoir rencontré une auberge sur la route de Bechaffen qui n'était pas très accueillante, vous avez fini par arriver à Bechaffen, où le nain a envoyé le Kislevit. Au fond du caniveau. Suite à ça, le groupe a décidé donc de passer la nuit au temple, en attendant que le Kislevit retrouve ses esprits. Et aussi histoire de se purifier un petit peu, parce que bon, soyons honnêtes, réveillé dans une cellule dédiée à Korn, enfin dédiée à une engeance du chaos, pas toujours ce qu'il y a de plus agréable, ni de plus sain. Vous aviez décidé de vous rendre à Bechaffen pour rencontrer un noble local, Horst Hofstetter. Léonard. Hein? J'ai compris la blague, Sancho, t'inquiète. Bref, ce cher Horst, qui donc le personnage dont j'ai pris le portrait temporairement. Un noble local qui souhaite recruter quelques aventuriers pour mener une expédition vers Mordheim afin de retrouver une babiole. Plus précisément, un objet ayant appartenu à un de ses ancêtres qui, visiblement, suite au journal qu'il aurait retrouvé de lui,
Bah, disons qu'il aimerait bien récupérer la babiole. Il vous envoie Nordheim chercher un artefact. Juste pour une babiole. Oui, bah. Doute bien que la babiole n'est pas aussi anecdotique. Je me demande si on peut interroger le PNJ à propos de ça. Bien sûr. Donc là, en fait, on est où? On est genre dans sa maison slash son château? Ah, Béchafen. Ouais, alors, c'est plus... C'est hôtel particulier, hein. C'est pas non plus... Petit noblio, c'est pas un grand noblio. Donc on est dans sa maison, on va dire, devant lui, et il nous explique qu'il veut qu'on aille à Mordheim récupérer un truc pour lui, c'est ça? Oui, vous serez grassement payé. Argent? Grassement, ça veut dire combien? Ça veut dire... le double du salaire traditionnel d'un mercenaire. Que je te retrouve ça. Seulement, c'est toujours service qu'on ne trouve pas. Alors, hop, service. Butler, maître, à tout instant, serviteur, travailleur. Serviteur qualifié. Ouais. Cinquante pièces d'argent par jour. Ça fait pas beaucoup. Ça fait de l'argent. Alors, juste pour rappel, hein, la journée à l'auberge, c'est 5 sous. Et le prix d'un bon repas, d'un repas de très haute qualité, on est quand même sur du entre 3 et 5 pièces d'argent par repas. Ouais, vous savez, c'est genre, ouais, pour changer de classe, il me faut des grimoires, et les grimoires, c'est genre 500 pièces d'or chacun, tu vois, donc... Vas-y, Ragna, mets les mêmes du JDR dans l'auberge. Au pire, on volera des trucs et on les revendra, hein. Moi je m'en fous, mais il va falloir qu'on se fasse de plus. Ouais, tu as raison, vole des trucs et je vends ta tête. Pillage, bah... Moi, enfin, voilà, je vais être du même avis qu'Alia, et si t'es pas d'accord, bah, ça fera du 2 contre 1. Non, non, mais moi, je me range à côté... Pendant la nuit, je vous tranche vos têtes, hein, je me range du côté de mon pote Mercution, moi. Eh ben, ça fait un 2-2. On en reparlera. Et le répurgateur, on en reparlera quand il faudra que tu t'achètes genre des fusils ou des trucs comme ça qui coûtent genre 200 PO chacun et que t'auras tes 50 pièces d'argent, là. Le fusil, qu'est-ce que j'ai à en acheter un? Il y en a au moins pour 6 mois de campagne, donc on est tranquille. On part à Mordheim, les gars. On part à Mordheim. Il y a des gens. On va aller combattre des gens et se faire de l'argent. La journée commence à peine qu'on veut déjà tous s'étriper. C'est merveilleux. Non, coucou Pierre. Un collègue fait le kiss-covid qui cherche des noises aux gens civilisés aussi. Tu crois que t'es civilisé ou ténère? Oui, voilà. Mais non, mais on va aller. On part à Mordheim en plus. J'ai entendu des choses sur cette ville. C'est le genre de choses. On y trouve des représentants de toutes les races et des aventuriers de toutes les races. Bon, il y a des gens un peu moins fréquentables aussi, d'après ce qu'on m'a expliqué, mais ce serait peut-être le moment d'aller purger un peu cette ville. Ça te va, Mercution? On va purger la ville? Oui. C'est sûrement plein d'hérétiques à brûler là-bas. J'ai entendu aussi qu'il y avait des sœurs de Sigmar là-bas. Tu dois peut-être les connaître. Alors, je sais pas si... Alors, hors RP, je sais pas si mon personnage connaît les sœurs de Sigmar. Il a peut-être entendu parler. Et s'il en a entendu parler, il vous dira qu'il faut pas les approcher. Surtout si vous tenez à votre virilité. Ça, je m'en fous, personnellement.
On enverra Alcoolique leur parler. Ah, elles ont une comment? petite... Non, j'y tiens aussi. On va t'envoyer, toi. On va voir. Tu peux... À la limite, tu peux me faire un commérage ou connaissance empire à plus 10. Mercution. Attends, je cherche la page de compétences. Mmh. Commérage ou connaissance empire? Celui que tu veux. Bah, je vais faire connaissance empire parce que c'est celui où j'ai le mieux. Mettre... Oui, t'as le sort de Sigmar, tu connais, oui. Donc oui, il y a probablement une sorte de Sigmar, et je te dirais, Kislevit, de tenir ta langue si tu veux pas partir sans ce qui te fait homme. Je vais suivre ton conseil pour une fois. On ne sait jamais. Elles sont très, 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 très à cheval sur les principes. Bon, bah, je dirai rien en fait. Je vous laisserai parler. Parce que j'en suis sûr que dès que je vais l'ouvrir, il y a quelque chose qui va mal se passer. Ça va, mieux que... ça va, t'as joué d'ailleurs, Al? Comment ça? Enfin, oui, j'ai mal, mais j'en sais pas plus en fait. Hein, quelqu'un t'a bousculé très très fort. Bonsoir, Mimi. D'accord. Parce que je me souvenais même pas de l'entrée en ville, alors je me suis dit c'était peut-être dans la forêt. Non, on va dire que c'est une... Est-ce que je peux... Alors, je vais utiliser un mot, je suis même pas sûr que mon personnage le connaisse. Une commotion cérébrale. Ça force peut-être pris... Non, ton personnage ne sait pas ce que c'est une commotion cérébrale. T'as pris un très gros coup sur la tête. Voilà, tu es tombé dans les pommes à cause de ça. D'accord, je comprends. Parce que j'avais encore des étourdissements parfois. J'ai encore mal. Ça peut être l'autre dans la taverne. Il t'a tellement cogné fort que ça a dû te faire des bleus dans la tête. D'accord, ok. Bon, ça marche. Bon, bon, nous, on y va. On va partir. Alors, est-ce qu'on a le matériel... Alors, hors RP, est-ce qu'on a déjà le matériel pour le voyage, Mori, ou est-ce qu'on doit quand même acheter le matos, faire la petite session, ou on doit aller voir un vendeur, acheter un peu de matériel ou pas? Alors, je vous passerai... D'accord. Je vous passerai ce genre de... de choses. Après... Enfin, vous me dites ce que vous prenez avec vous, hein. Si demain vous me dites que vous avez un cheval et que on n'en a pas discuté avant, non. Mais globalement, voilà. Ça, je ne vais fiche, pas vous faire. Sur ma fiche, j'ai mis sac à dos avec matos d'aventurier. J'ai pas spécifié, mais il y a de la bouffe pour le trajet plus 3 jours. Alors juste, je prends 2 minutes pour répondre au chat. MiniWiki, c'est le troisième épisode de... Ah, c'est vrai que j'ai pas mis troisième épisode dans le titre. Mais c'est le troisième épisode de notre session de JDR récurrente. Ça fait donc 3 mois qu'on joue. Là, les 2 premiers sont sur YouTube. Et le 3e, c'est celui-ci. On va partir... hors time. Allez taper des gens. Voilà. Allez vous faire taper dessus. Aussi. Aussi, ça se peut, hein. Ça se peut aussi qu'on se fasse casser la gueule. Hein. Ça se peut entre nous aussi, très probablement. Personnellement. Alors, juste pour faire. Juste, si Minimushi, c'est la première prévenir, fois que tu viens. Juste pour prévenir mes joueurs, moi je pars du principe que vous allez croiser de tout, aussi bien des aventuriers débutants que des aventuriers chevronnés, aussi bien de la bande de gobelins que du seigneur... alors peut-être pas du seigneur du chaos, mais vous voyez le principe. Ouais, en plein milieu de l'Empire, ça fait mal quand même. Hein. Oui, non, mais bah, c'est en fait, comme Mordheim, je dis, c'est limite tu vois une le principe. Dimension parallèle, en fait. Mordheim, c'est limite une dimension parallèle dans Warhammer, où le principe, tout, quoi. Le principe, voilà, c'est qu'il y aura de tout et de tout niveau. Mais du coup, si jamais il y a des gens qui n'ont pas vu les deux premiers épisodes, est-ce qu'on se présente vite fait? C'est ce que j'allais faire, en fait. J'allais présenter le groupe, mais j'ai laissé Tati terminer d'abord sa... Donc, je ne vous donnerai que comme seul conseil.
peut-être de réfléchir avant de d'attaquer des inconnus. On a un an de réfléchir. Bah c'est voilà. Ça, Miniwiki, t'as bien trouvé, situé le groupe. Je suis le nain, pour changer. Et Balidur et le Kiss Lévite. Bonjour Kravis. Donc Ebalidur et le Kiss Lévite. Et oui, Emana, j'aime beaucoup demander à mes joueurs de réfléchir, c'est très drôle. Sancho, c'est les meilleures parties. Et est un autre humain répurgateur de Nuln. Il faut bien préciser de Nuln parce qu'on se situe juste un peu avant Magnus le Pieux, nous, ou juste un peu après, je sais plus, Maury. Non, 2522, c'est ce que je t'avais dit, je crois, Aldréa. Je crois, oui, alors. Tu m'as dit qu'on était comme dans le bouquin, c'était écrit après qu'Archaon il soit pris sa première rousse dans Tempête du Chaos. D'accord, donc c'est juste après Tempête du Chaos. On est quelques mois, années juste après la bataille de Middenheim. Donc c'est normal qu'il y ait à peu près tout et n'importe quoi dans le nord de l'Empire. Voilà, on est... Et puis il y a eu à peu près tout le monde et toutes les races, toutes les factions possibles qui sont venues se mettre sur la gueule. Par contre, Archaon, est-ce qu'il peut être mute pendant 2 minutes? Quoi? Il a dit Archaon. Ah non, c'est Arcachon. C'est Arcachon. Ça fait cheux, ça fait pas que. Et donc, on a aussi Aldrea, aussi appelée Alia Aenor dans le jeu. J'arrive pas à prononcer le pseudo de Sancho, à chaque fois je fais une faute. Donc, qui est une autre elfe. Van Pelt. Ouais, Mercu. On a Mercu. On a Percu. Non, MVP. Ah, ouais, MVP, bientôt, c'est très bien. On va s'appeler le Herb Business, c'est très bien. Bientôt, Ancho, il va me dire que les W, ça se prononce V, tu sais. Bah oui, un wagon. Donc voilà, on a le groupe qui est là, et bien sûr notre cher MJ qui est là et qui m'accompagne depuis 6 mois maintenant dans beaucoup, beaucoup de situations. Et de conneries, oui. Surtout de conneries. Arcane. Enfin, ici elle s'appelle Arcane, mais vous la trouverez sur le live en tant que Morrigan. C'est vrai que j'ai pas. Ouais, attends, ça change. Voilà, ça c'est Morrigan sur le live et sur le Discord. Alors faites attention, je lui ai donné une épée récemment, donc. Voilà, hop. Elle peut des fois taper. Alia Aenor, spoiler alerte, elle va tous nous tuer, elle essaye. Elle essaye. Et on a Ragna aussi appelé le petit gobelin de poche, ou Dobby, ouais, mais j'ai pas qui prévu. Fait des mèmes. Alors, j'ai normalement pas prévu de gobelin ce soir, après... Ça dépendra du hasard des rencontres. J'ai une quinzaine de groupes de préparer, donc on sait jamais ce qui peut arriver. Voilà, mais... aussi de temps en temps on fait venir des viewers pour faire des voix, mais ça faut peut-être te préparer en amont avec Morrigan si vous voulez, pour venir faire pour jouer des PNJ en fait, vous transformer un PNJ en PJ. C'est vrai qu'Eba il est un petit peu inversé. Donc les deux derniers qui sont venus c'était Ninetol qui a joué un sanglier. Et Ragna qui a joué un gobelin. J'ai joué un Razor Gold, sanglier. Après, ce soir, j'ai pas grand chose à faire jouer. On verra. Bon, voilà. J'ai fait le petit laïus. J'ai représenté le groupe. On reprend le gilet. On se remet dans le mode RP. Pire, il y a toujours un peu de gras. En parlant de gras. Donc ouais, moi personnellement, niveau stuff, j'ai pas acheté grand chose à part juste de quoi faire le voyage et possiblement une ou deux torches. Je sais pas si on a des lampes à huile ou juste des torches, mais de quoi avoir de la lumière dans les endroits sombres. Sympa. Et des rations, des rations de bouffe. Hein ? J'ai dit que c'est pas une salope, ça ? Oui, mais pas tous. Donc vaut mieux en avoir plus que pas assez. Hein. De mon côté, j'ai assez de bouffe aussi pour moi, quoi, pour faire le voyage, et comme Sancho, plus 3 jours. Et avec de l'alcool, hein, ça va de soi. Un sac de couchage et de quoi faire aussi un peu de camping. Voilà. Ouais, pareil, et puis du matos, genre des cordes, des trucs comme ça, si besoin.
Rien de... Rien qui ne sorte de l'ordinaire, quoi, globalement. Non. On regarde des trucs chelous, mais bon, non seulement il n'y a pas à Béchafen de trucs vraiment, je pense, magiques, un peu rigolos, et on n'a pas de problème. Oh, bah sinon, je dis, en fouillant les poubelles sur ma droite, j'ai trouvé l'épée de Cain. c'est vraiment de la grosse chance, hein. Ah, ça, ouais. Putain... tu peux toujours faire un jet, ouais, hein, mais... T'es un nain, t'as pas de marteau. Du coup, j'ai envie de dire, non mais allô, quoi. T'es un nain, t'as pas de marteau. Bah, il a une hache. C'est une hache, hein, c'est pareil. Hein. Les nains, ce qu'ils ne portent pas, c'est... Enfin, les nains, ils utilisent des haches ou des marteaux, mais pas d'épées. Les épées, c'est pour les poils au menton. Alors, évitons les histoires de poils, ça a tendance à mal finir. Non, non, mais il y en a un qui ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il y en a un qui ne sait pas ce qui lui est arrivé. Oui, je sais ce qu'on lui dise, ce qui lui est arrivé. Oui, pour ceux qui hors RP, pour ceux qui n'étaient pas là à la dernière session, le personnage des Balidurs s'est pris un coup de bouclier de la part de mon nain. Parce qu'il a, il a osé me menacer de me raser la barbe. Voilà. Menacé, c'est un bien grand mot. Ah si. C'était j'ai tu... T'as infiniment un truc. Ouais, j'ai l'idée que il est possible qu'un matin il se retrouve sans barbe. Donc. Mais ce n'était pas une menace. Arrête de faire ton politicien, quoi. C'est une possibilité. Arrête de faire ton politicien. Qu'est-ce qui t'arrive? Je trouve que t'es un nain qui a un rare cas de calvitie de la barbe. Hein. Ouais, c'est ça. Un jour, il va avoir le menton. Toi, dénudé. Tu vas être une des rares elfes qui n'aura pas les oreilles en pointe si tu continues. Ah, en fait, je m'en fous globalement parce que moi, je suis pas insécure sur la taille de mes oreilles. Oh putain, ça va commencer. On voulait pas qu'on avance pour une fois dans le JDR et qu'on passe pas une heure à se foutre sur la gueule. Ouais, en vrai, faut qu'on aille à Mordheim et qu'on arrête de dire de la merde. À la limite, quand Tata Morrigan, elle prépare ses unités, ses trucs comme ça, on charrie, mais là, faut qu'on avance, là. Mais c'est trop tendant. Vous savez, je m'occupe, hein. Je continue à s'envoyer des fions, hein. Tant qu'on n'est pas à Mordheim, on est tranquille. C'est ça, c'est là où on s'engueule sur la route, en fait, concrètement. Bah, est-ce qu'on est parti pour Mordheim, Tata? C'est rien, moi. Est-ce qu'on part pour Mordheim? Vous avez fini vos achats. Est-ce qu'on a fait toutes nos emplettes? Tout le monde a fait ses emplettes? Ah, si, attends, je vais aller prendre aussi quelques bandelettes et de quoi se soigner. Tiens. Ah, il y a des potions de soins qu'on peut acheter. On n'a pas thune infinie, les enfants. Déjà, je crois qu'on n'a même pas. Non, mais... On a. Alors que je retrouve combien j'ai de pognon, moi. D'ailleurs, Arcane, c'est juste question si au niveau de la fortune. Dépenser du pognon. Arcane, au niveau de la... oui. des points de fortune, ça se recharge tous les combien? Parce qu'il m'en reste que un là. Shadow, respecte-nous un peu, on a survécu jusqu'à la première ville déjà. Et au niveau pognon, je crois que j'ai même pas. Je dois pas avoir beaucoup de pesos sur moi donc. Ah. J'ai regardé les règles des points de fortune. Ouais, regarde pendant que moi je regarde juste que je cherche combien j'ai de pognon. Les règles des points de fortune? Ouais, juste revérifier parce que j'en avais claqué deux. Tu les récupères tous les jours en fait. Ah bon bah ils sont revenus. Tu les récupères tous? Oui, tu les récupères tous. Bah, qui sont revenus. Alors, point de destin. J'ai pas les points de fortune. C'est pas la même chose, point de destin et fortune? Non. Point de destin, c'est t'es mort, t'es pas mort. Les points de fortune, c'est... il se passe des choses. Ah, ma carrière, elle me demande de prendre des options en social, mais moi j'aime bien l'idée d'être asocial, de gratter voilà. Tout mon pied dès que j'essaie de parler à des gens. J'ai 12 couronnes d'or, moi, sur moi. J'ai 12 pesos sur moi. Moi j'arrive pas à voir où est-ce que c'est. Deuxième page. C'est dans la page des compétences, Aldré, t'as ta bourse.
Je dis entre mes moustaches, hein, mais vraiment tout bas, que personne n'entend. Je vois, il pourrait se faire un lifting. Ah bah si, je l'ai là, le salaire. Mercenaire. Ah, vous êtes richement payé. Bonne soirée, Mini Wookie. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Et c'est 50 pièces d'argent chacun, par contre. Non, je sais pas, j'ai 12 couronnes d'or, moi. Non, pour notre salaire. Alors, dis-toi que 50 pistoles d'argent, ça fait 2 couronnes et demie. Ouais, je vois. Non, c'est que j'allais dire, si c'est pas chacun, moi je fais cramer la maison du mec et je vais revendre des trucs. Hein. En fait, on voit dans le groupe, on voit déjà une petite démarcation entre les joueurs. D'un côté, il y a les joueurs loyal bons, moi et Sancho, et de l'autre, il y a les joueurs chaotiques mauvais, Iba et Aldrea. Loyal. On peut pas être chaotique dans ce jeu, sinon on va forcément battre. Si, tu peux être chaotique, hein, en normalement, je te crame. Juste à l'instant. Oui, c'est ça. Tu finis au bûcher. Oui, après j'ai envie de dire, hein, tu finis au bûcher, il est pas dit que ça soit toi qui gagne. Pour le moment, non, je préfère rester à distance. Hein. Toi, tu peux lancer une flèche tous les deux tours et moi je peux lancer un sort partout. Hein. C'est Anne, c'est loyal bon et loyal pognon. Mais le pognon régit le monde. C'est grâce au pognon que le monde vit, hein, faut pas oublier. Hein, Pognon, c'est sûr. Non mais c'est quoi ces blagues? C'est grâce au pognon. Bon. Du coup on part pour Mordheim. Ouais on part, du part coup, pour Mordheim. Si vous avez rien de spécial à acheter. Bah j'ai été... Bah si, j'ai récupéré quelques bandages et peut-être quelques plantes pour dire de les foutre sur les bandages quand on aura des blessures. Est-ce que tu as les compétences pour ce genre de choses ou... Déjà, à voir qui a la compétence médecine, oui, parce que si personne n'a médecine, ça, à part si on peut prendre des bandages pour les blessures, mais... Mais oui, c'est pour ça que je parle juste de bandages, parce que je crois qu'il n'y a personne qui a médecine ici. Alors, est-ce que tu es un animal, les balidures, parce que j'ai soin des animaux, si tu veux. Mon poing dans la gueule, tu le veux? Ah c'est bon, vous me balancez des fions toute la journée, je peux en balancer un aussi, quoi. Évidemment. Je repose ma question à notre MJ adoré. Est-ce que je te décris tout ce que je compte en mettant le matos de mon sac d'aventurier ou tu me fais confiance? Non. Le matos, ça a assez peu d'influence, hormis tout ce qui est armes et armure. Touchage, couverture, gamelle... Ouais. Je pars du principe... De la bouffe pour 10 jours, tu vois. Je pars du principe que vous avez ce qu'il faut. Pas non plus. Techniquement, Mordheim est pas loin de l'échafaud. De menottes et 10 mètres de corde. Si on se base sur la carte de Total War et qu'on revoit à peu près, Béchafen est au niveau de Sancho, à peu près. Et Mordheim est à peu près ici. Si on se base au niveau. Parce que le Griffon... Ah non, même pire, le Griffonwood étant là, Mordheim est ici. Ici, il y a la ville dont j'ai mangé le nom... qui est la ville qui est juste à la jonction des montagnes et d'Azag, pour ceux qui jouent à Total War. Et à peu près, grosso merdo, par ici, on a Béchafen. Voilà. On est parti pour Mordheim du coup. Ouais, moi je fais le cartographe, je montre aux gens, je fais le cartographe. Il semblerait bien. Hein. Donc on va avoir à traverser ceci, à peu près jusque là. Voilà. Sachant qu'on va devoir repasser par les bois du Griffon. Yay. Techniquement, c'est le bois mort qu'on va traverser. Et donc, pour ceux qui ont Total War et le dernier DLC de Total War, bah, vous avez Drisha ici. Ah non, merde, je suis une elfe, je veux pas y aller. Oh, t'inquiète pas, elle tapera sur le nain avant de taper sur toi. T'es vraiment sûr? Parce que...
C'est... Elle a pas la haine des elfes, hein. Elle a si, la haine mais des de elfes toutes sylvains. Les... Non, non, elle a la haine de toutes les personnes qui pénètrent dans son bois, particulièrement les nains. Ok, bon bah pendant qu'elle sera occupée à tabasser le nain, on se casse. Nice. Alors vive la cohésion d'équipe avec elle, hein. C'est... C'est toi qui passes ton temps à me menacer en RP et HRP, donc... Oui, mais là, je te menace pas. Ouais, non, mais... Et rappelle-moi qui t'a sauvé la vie d'une charge de sanglier. Un retour de bâton, hein. Eh. Effectivement, tu m'as pas sauvé, t'as juste vu un truc qui fonçait en ligne droite, tu t'es mis devant par réflexe, hein. Genre, moi, je me serais écarté, hein. Oui, c'est de la mauvaise foi, mesdames et messieurs. Voilà, c'est... elle se transforme elle-même en nain, en fait. Bah, les elfes, ils sont... enfin, c'est les rois de la mauvaise foi, en vrai. Jamais tu verras un elfe te dire la vérité, genre, en face. Et voilà comment la guerre de la barbe a commencé. Ah, en fait, c'est en fait un nain et un elfe qui faisaient un concours de mauvaise foi, et ça s'est jamais fini, c'est tout. Du coup, est-ce qu'il nous arrive quelque chose sur la route en allant à Mordheim? Pas du tout. Bon. On se balade tranquillement dans la campagne, on sent rien. À part nos colis fichés, nos tontes entre nous, ouais, non, je pense que. Oh non, je vais garder les rencontres aléatoires pour quand ça va être rigolo. Et pendant qu'on part à Mordheim, on entend ça. C'est sur le live. On est dans War Armor, hein, pas Nahulbeuk. Exactement, mec. Voilà, pendant qu'on a traversé le bois de Drisha, en fait c'est Drisha qui chantait. Moi j'adore partir. Je suis pas sûr hein, pour celle-là. Pas tellement sûr non plus. Hein. Allez, nous arrivons à Mordheim. En même temps, on a 3 heures à poil, on a pas tant d'équipement que ça. Je trouve une ambiance de ville pendant que vous préparez les Mordheim est en quel état maintenant? Parce que c'est. Après que la comète se soit écrasée dedans et que tout qui est pété. Ah bah c'est après. C'est bien après. C'est après. C'est pas une ambiance de ville normale quoi. Ah, oui, ah non, mais Mordheim ça a jamais été une ville normale dans Mordheim. Hein. Mordheim c'est. La comète, Avant de se prendre la comète, oui. Une fois qu'elle a pris la comète, Mordheim. Il y avait le culte des damnés, donc non. C'est clairement Mordheim, tout ce qu'il y a là-bas. On rencontre même des personnages qu'on pensait être morts. Enfin, ça, c'est ce qu'on appelle des vampires. Non, c'est ce qu'on appelle Nicodémus. Ouais, je pensais à lui, et lui, je veux l'éviter comme la peste. Sauf si j'ai Gandalf ou Sir Bertha avec nous. Lui là, il est quand même censé être décédé depuis très longtemps, celui-là, mais bizarrement, il est là, tu vois, c'est... On est dans le monde de Warhammer, la mort, c'est une bonne... C'est surfait. Quand tu meurs définitivement dans Warhammer, c'est que t'avais pas la volonté de vivre, en fait. Parce qu'il y a des personnages, ils restent vivants, c'est mort, je mourrai pas, en fait. Pendant que Tati nous fait changer de map, s'il y a une nouvelle map, moi je vais vous mettre dans le chat le lien pour le lore de Nicodémus, pour ceux qui se le demandent. C'est quoi, je vais pas aller regarder parce que je le connais pas celui-là, et si jamais on tombe dessus, je pourrais l'insulter sans flipper, et pendant que vous êtes en train de flipper. Alors moi je demanderais avant, parce que mon personnage je sais pas quoi il ressemble, si on rencontre un magicien je demande à savoir si je sais si qui c'est ce mec. Eh ben, les éphémères, cette ville elle est encore plus moche que vos villes habituelles. Ouais, ça change pas de vos cités délabrées les elfes hein. Elles sont très bien nos cités. Et quand tu vois que je dis ça, je baisse les plus en mode connard. C'est un plan de ville générique au cas où il y a de l'interaction et du conflit. Ok. C'est pas. Histoire d'avoir un plan de combat à disposition. Dis-moi, Snorri, ça ressemble pas un peu à l'architecture naine, tout ce délabré? Lui crache à la gueule.
Et je lui fais ça, c'est du travail d'humain. Déjà, une cité naine, c'est sous terre. Non, moi, je te parle de ce côté délabré, puis je tu le regarde vois. Avec un regard carnassier et je caresse l'avant de mon bouclier. Il sait pas, lui, hein. Il sait pas, hein. Non, je ne sais pas. Je précise qu'à l'instant même où je mets les pieds dans cette ville, je fais le symbole du marteau sur le cœur et je récite une petite prière à Sigmar. Est-ce qu'on voit des gens, quoi que ce soit devant nous d'intéressant ? D'ailleurs, les enfants, pensez à faire pop vos tokens, comme moi, dans la ville. Vous cliquez sur le deuxième onglet. Pour le moment, c'est pas utile. Ah, je le fais tout le temps. Non, pour le moment, c'est pas utile. C'est comme je dis, actuellement, il n'y a pas de... C'est juste un décor. Oh, c'est juste pour se situer. Après, c'est... bougera pas les tokens, voilà. Mais c'est juste pour se situer, tu vois. Alrea, ça, c'est tout. Juste 30 secondes, voilà. Ah, ils sont chauds. Hop. Oh, plutôt vous mettre au centre. Des champignons ou leurs cousins sadomaso. T'as aussi oublié dans leur guerre contre... T'as aussi oublié dans leur guerre contre les nains. Il y a un équivalent à l'expression travail d'arabe dans le monde de Warhammer. Ouais, travail d'elfe. Non, les nains, en vrai, ça fait longtemps qu'on se tape plus dessus. Non, travail d'elfe, hein. Non, travail d'elfe. Et je suis un nain, hein, je suis alors, juste pour la blague, vous savez d'où vient cette expression à la con ça veut de Marseille. Dire que... Non, même pas. C'est quand les Européens se sont pointés qu'ils ont vu des machins qui étaient aussi grands que les pyramides et les minarets, ils ont dit « Putain que c'est beau !» Et finalement, ça voulait dire que c'était un truc magnifiquement fait, à la base. Voilà. Bonsoir, Nepenthes. Coucou, copain. Salut, Nepenthes. Est-ce qu'on voit, du coup, Arcane, est-ce qu'on voit quelque chose quand on arrive en ville d'intéressant ? T'en arrives en ville. Et est-ce qu'on a des instructions aussi ? Parce qu'on n'a même pas demandé, genre, où elle était sa babiole à l'autre débile. Là. Non, vous n'avez assez que peu d'informations. Bon, néanmoins. Que peu d'informations, néanmoins, de ce qu'il pense être la. La babiole serait plutôt dans les anciens beaux quartiers que dans les taudis. Mais c'est quoi la babiole en question ? C'est une amulette. On sait. Donc ouais, nous on est arrivé par le non. Donc ouais, pour l'instant, il faudrait peut-être qu'on trouve un endroit... Enfin, personnellement, je serais de l'avis de trouver un endroit qu'on pourrait utiliser comme base si on est censé rester longtemps. Je sais pas combien de temps ça va nous prendre de chercher cette amulette. Faudrait peut-être qu'on trouve un endroit qu'on peut défendre. Ou en tout cas, se replier. Et dormir, s'il y a besoin. Et je vois une tour en bas à gauche. Alors, oublie pas, c'est une map générique, hein. Ça se trouve, ça veut rien dire sur la map. La Cheftaine de nous dire. Là, pour le moment, j'ai juste mis un décor. Après, ce qu'il y a dans le décor, bah, globalement. On pourrait trouver comme petite compétence. Si, et bah j'ai capté depuis tout à l'heure qu'il n'y avait que 3 tokens. Je me suis dit, il arrive pas à faire 2 clics. Ça fait un moment que j'ai capté qu'il n'y avait que 3 tokens, et bah. Je cherche. Ah, mais en fait, c'est tout juste con pour à faire mettre. Un glisser-déposer depuis ton personnage. Tu cliques sur le deuxième onglet, tu sais, t'as l'onglet de chat, l'onglet d'à côté. Bah voilà, t'y es arrivé. Faut le savoir, ça aussi. Mais je l'avais pas dit la dernière fois. Si, ma pote m'a dit déjà à moi, j'en ai fait pop 5 de PNJ. Hein. Enfin, de token. Bon, on peut le plus. C'est pas grave. Ton perso était dans les bas parce que. Je suppose qu'il y a aucun de vous qui a une compétence militaire quelconque. Alors je vais vérifier si moi j'en ai pas une. Parce que je reste combattant des tunnels, donc je peux potentiellement avoir.
Filature, connaissance générale. Survie. T'entends quoi par compétences militaires? Des connaissances de type militaire. J'ai de la perception ou de la survie. À la limite, ce qui pourrait toujours se rapprocher le plus, mais le reste. Et j'ai dit survie, ça peut le faire. Donc, Bon. Bah, j'ai de la survie et j'ai de la perception. Donc. Comme tu veux. Je peux tenter un jet de survie, même si je la maîtrise pas pour le coup. Je suis qu'en. Je suis en carac demi. Je sais pas si ça peut compter, mais. Attends, comment on fait un jet? Si tu la maîtrises pas, tu peux pas le faire. Ouais, on peut partir sur ce principe-là. Techniquement, je la maîtrise pas, donc ouais. Oui, c'est une compétence générique, donc normalement. Après, autant que j'utilise ma perception pour le coup. Je maîtrise la perception. Donc... Non, c'est survie ou une connaissance. D'accord. Une connaissance type. On va tenter le jet de survie. Hein. Attendez, je regarde comment faire un jet de compétences à plusieurs. Andrea, si tu le sais. Un jet de compétences quoi? À plusieurs. Je sais pas. Je sais pas si on peut se donner des bonus dans ce système. Alors, si ce que je peux te proposer, Tati, c'est... parce que c'est ce que je fais avec mon autre groupe de JDR. On jette tous les quatre. En fonction du nombre de réussites, imaginons tu mets ton jet à deux réussites. Si on fait deux réussites tous ensemble, non, alors on a résolu le truc. Il me semble que c'est une histoire de... Sinon, on fait la moyenne, nous. C'est la moyenne des réussites. Enfin, la moyenne. C'est un bonus. Hein. C'est un bonus. En fait, le truc, c'est que les compétences, c'est si jamais t'as pas la compétence, tu peux quand même lancer le jet, mais c'est juste que tu divises ta stat par deux. Oui, donc oui, on oui. peut faire un jet de survie, mais on va. Enfin, c'est sûr qu'on va pas le réussir. Quoi. Je vais regarder si j'ai pas l'écran. Ok. Voilà. Bon, de toute façon, vous prenez votre temps, vous le faites à plusieurs, bah vous prenez celui qui a la plus haute stat et vous lui rajoutez plus 30. Ok, bah qui a la plus haute stat? Bah en fait, en même temps, on relit les règles, Ragna. Ça fait un mois qu'on n'a pas joué. J'ai 30. Ouais, c'est surtout qu'on n'a jamais fait de jet... De jet de groupe. Qui ouais, sait qui a plus que 30 dans le groupe? De 30 en quoi? Et bah, qui avait pas un... En total, pour la survie. La survie, ça se lance sur quelle stat? Intelligence. Je dois avoir plus que 30, moi, ouais. Bah regarde oui, dans ta page pas de si compétences. Si t'as pas la compétence, c'est divisé par deux. C'est ça, moi j'ai 43 mais j'ai pas la compétence. Moi j'ai ouais. 34 pardon. T'as qui a la compétence? Moi je l'ai la compétence. C'est pour ça que j'ai 30. Ouais. Eba? Il me semble qu'Eba avait dit qu'il l'avait aussi, c'est pour ça que... Eba? Pardon, comme je suis en push tout le talk, oui je disais j'ai 33 en Intel 33 pour la survie. Oui. Donc t'as la compétence survie, toi, c'est pas divisé par deux. Non, j'ai la compétence. Bah vas-y, et bah fais-le. Avec le bonus de plus 30, tu seras à 63% de chance de réussite. Je lance juste mon dé. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Jette ton dé, et puis... Non, mets dans mode... Je crois que dans mode, tu peux mettre 30. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça va ajouter les 30%. Échec. Magnifique. Le mec il fait un échec critique en survie quoi. C'est... Il n'y a pas d'échec critique dans le jeu. Ouais bah là ça devrait. Là. Je fais honneur, hein. Je fais honneur à ce que je fais le mieux, c'est-à-dire échouer. Et bah si t'existais pas, faudrait t'inventer mon pote. Ah hein. Oh, c'est cool, merci. Ouais, j'avoue que là pour le coup. Parce que tu vois, sans toi, les MJ. N'aurait aucune occasion de mettre des saloperies sur nos groupes, tu vois. C'est...
C'est ça, mais non, mais en plus, le pire, c'est ouais, que même bah, si j'en suis sûr. Tu peux juste changer légèrement la couleur de ton dé, parce que c'est vrai que ça ressort pas très très bien à l'écran pour ceux qui le voient en 3D. D'accord. Peut-être un peu plus clair si ça te dérange pas. Je vais faire ça. Merci beaucoup. Mais de rien. Non, bah, vous trouvez un campement avec un bon. Avec un bon repas qui semble avoir été oublié sur le feu. Ouais, moi je touche pas, moi. On trouve, d'accord. Est-ce que je peux faire un jet de perception, sachant que j'ai la compétence ? Ah, je vous donne même tous un bonus de plus 10. Et bonus en ouïe. En ouïe, c'est une compétence, ça, Louis ? Ouais, c'est pour tendre l'oreille. Bah, si quelqu'un a, par exemple, perception augmentée ouïe, oui. Le bonus s'applique aussi. Je vais regarder. Ah, moi, j'ai perception toute simple, donc j'ai perception aussi. Perception. Oui. C'est visuel où j'ai un bonus. Ok, bon bah. Donc on lance sur perception. Oui, avec un plus 10. Oula, moi si je l'ai raté. Eh ben. Ah oui. Il reste bon, une année, Andrea, que... s'il te plaît. Oui. Ah bah Andrea. Oula, t'étais pas loin, Andrea. C'est clair. N'empêche que j'ai réussi. C'est la compagnie Gilbert Montagnier. Ouais, ouais c'est à peu près ça. Ouais. Je préfère être Ray Charles. T'as réussi, oui, oui, t'as réussi, Aldredre, t'as réussi, hein, c'est... Oh, on était des beaux, on était des propres, en vrai. Hein? Alors, Aldrea, t'as l'impression d'entendre le tonnerre gronder. Ok. Et C'est lourd et bruyant. Non, ouais. C'est pas du tout le tonnerre, en fait. Ah non, c'est pas du tout le tonnerre, non. Oui, et ça a l'air de se rapprocher ou pas? Oui. Ok, bah je préviens mes compagnons que quelque chose de lourd et bruyant se rapproche et mais bientôt même vos oreilles pourront l'entendre. T'as pété, dans quel côté il faut fuir? Dans quelle direction il faudrait qu'on fuit effectivement ou qu'on se planque, Morgan? Morgan? Oui. Bon, ils arrivent par le nord. Ok, bah je les préviens, ça arrive par le nord. D'accord, ok, là on est plutôt caché. On est plutôt dans une maison, moi je dirais, on se cache et on attend de voir ce qu'il y a. C'est ça, on va plus se mettre en dessous du toit là, et pas... Parce que là on est quand même... Il y a moyen d'aller à l'étage ou pas? Oh merde. Oh merde. Bon, c'est non, mais ça me plaît pas trop ce qui est en train de se passer. C'est ça en fait, c'est soit qu'on essaie de trouver une bonne planque, soit qu'on se tire mais à toute vitesse. On les voit pas encore, on entend juste. Oui, enfin juste quand même à l'oreille, vu ce que nous a décrit Alia. Ça inspire pas confiance. Maintenant qu'elle vous a expliqué, ouais non, vous les entendez aussi, hein, y a pas de problème. Voilà, tu vois, ça inspire pas confiance qu'on entend, tu sais, la lourdeur du pas, tout ça. Ça pue. Tu vas pas me dire que c'était une bande que t'avais prévue, ça, Morgan? Oui. Et merde. D'accord. Pourtant, je l'ai quand même bien teasé cette semaine en disant que ça allait être gras. Qu'est-ce qu'on voit alors, Morgan? Attends. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une armée de gens de ma famille, voilà ce qu'on voit. Bah pour l'instant surtout que si on regarde notre angle de vue, nous ne les voyons pas parce que même moi qui suis le plus proche de la sortie, s'arrête là actuellement. Alors on est d'accord que là où on est, il y a de la bouffe. Ouais. Bon, mais moi je me casse. J'espère pas à côté de la bouffe. À l'instant où je vois qu'il y a des ogres, me tire. On se casse. Moi je propose qu'on aille casse. Par là. Ah bah non parce que là ils nous verront. Par là.
On sort par le côté droit de la maison. On se cache derrière. Ok, ils arrivent à... grommelant, grognant, un peu à la manière des nains, mais en beaucoup plus bruyant. Nigelun dayo. Du coup, est-ce qu'on voit ce que c'est ou pas? Ah oui, oui. Ok, c'est quoi du coup? Trois ogres. C'est des ogres qui font 3,50 m et 400 kilos. Ouais, bah du coup, non. Et merde, des ogres ici, mais on a vraiment la poisse! Chut. Pardon. Surtout que, Iba, tu devrais enlever ton personnage, le token de ton personnage de sur celui de celui de Aldrea. Là, vous êtes en train de vous emboîter l'un sur l'autre. Je me colle, il y a pas beaucoup de place. Lui met un discret coup de... pour qu'il arrête de se coller parce qu'il s'en passe. Merci Morphès pour le raid. Tu sais, t'es un peu comme dans Scooby-Doo, tu sais, t'as Sammy Scooby qui sont en train de se planquer dans un endroit étriqué, ils sont tout cassés de tous les côtés. Ah, ils sont gentils, mes petits ogres. Oui. Coucou Morphès. C'est des mercenaires comme des autres, hein. S'ils sentent le P du nain, on est mal. Est-ce que mon personnage, vu qu'il vient de Nuln et qu'il y a souvent des compagnies de mercenaires ogres, qui descendent vers nous, est-ce que mon personnage peut savoir s'il y a une chance pour qu'ils nous bectent pas ou pas? Ah, ils ont l'air civilisés. Des peaux vertes civilisées, ça existe pas. Non, c'est pas des peaux vertes, eux, c'est des mongols de 200 kilos. Ouais, c'est pas beaucoup mieux. Bah si, les orques, tu peux pas discuter avec eux, tu peux leur proposer du jambon et pas finir, hein, c'était caché. Les ogres sont pas... Non, ils sont pas... Ils sont pas... Ils sont... Non, les ogres sont civilisés, hein. En vrai, je suis en train de RT, là. En vrai, je me fous. Moi, personnellement, je la tenterai pas, en fait. Parce que pour peu qu'ils ont la dalle, c'est nous qui vont bouffer. Et ne pas oublier que les ogres savent qu'ils sont supérieurs physiquement à la plupart des races de Warhammer. Après, vous êtes 4, ils seront 3. Oui, mais juste pour les négociations, si on peut négocier, ne pas oublier que les ogres savent qu'ils sont supérieurs physiquement à la plupart des races de Warhammer, voire à toutes. Donc généralement, ils jouent sur cet avantage pour extorquer, voire racketter les gens. On est plutôt des pecnos, on va dire, actuellement, donc... non, donc, on se la fait discret et on se tire. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, c'était l'idée générale, hein. Marcher sur les faibles, se barrer en train. Voilà, pendant que eux vont rentrer, on fait le tour par cette maison-là. Attendez. Peut-être. Ouais. C'est, je sais pas si Mori avait fini de déplacer les tokens ou pas, en fait. Il avait commencé à les déplacer, voilà. Et là, quand elle les a déplacés, on passe par là. Ils vont faire leur jet de perception. Hein. Et j'arrive à réouvrir leur fiche. Les ogres, c'est comme les oignons. Ils ont des couches. Un ogre, c'est comme un oignon. Fin du coup. Bye bye. Maurice, et est-ce qu'ils aiment le clafoutis? Vu que je suis le dernier... vu que c'est moi qui ferme la marche dans notre groupe et que j'ai un bonus pour me cacher dans les endroits ruraux, ça marche ou pas? C'est le principe de la discrétion, c'est le plus mauvais jet qui compte. D'accord, Céline aussi a été convertie par Ragna pour faire des mèmes. Là, il y en a deux qui s'amusent à remplir l'auberge de mèmes. Oh bah le mangeur d'hommes, c'est bon. Le mangeur d'hommes... C'est Gilbert Montagnier, le mangeur d'hommes aussi. Ouais, il se tape la tête avec son gourdin.
C'était quoi ça? C'était les deux autres. Ah. J'avais la flemme. D'accord. Bon, le majordome est censé être le mec le plus balèze de tous, normalement. C'est ça. On est safe. Allez, on continue de partir, les mecs. Un grand domaine dans la promo. Ah, oui. Là, tu vois, Céline, là, c'est les cousins de Virago, là. C'est les cousins de Ringside, ça. Alors, c'est pas avec sa force de family Kragna qu'il arrivera à me pousser dans un puits, hein. Les ogres sont partis s'installer autour de leur feu de camp. Et prépare à savourer leur repas. Bah, moi, je propose qu'on aille. Barré. On se dirige. Je suis en train de vous amener ici, en fait. Là. Ouais. Et qui possiblement, ça aurait pu être nous. T'es un peu loin. T'es un peu loin, Alia, quand même. Faudrait peut-être que tu nous suives. Des bisous, embrasse Virago pour moi. Hop, on va aller dans cette baraque là, cette bâtisse là. Donc vous savez qu'en ce moment traîne dans Mordheim une bande d'ogres. Oui, bon, bah, je pense qu'on est en train de suer comme pas possible. Mercutio, rentre dans la maison. Ah mais moi j'ai cru qu'on se barrait, qu'on changeait de map. Bon, on fait quoi? On explore un peu plus la ville, on prend un décroisement ou... T'es malade ou quoi? Tu veux pas plutôt t'étaler le plus loin possible d'ici? Non, j'ai un honneur, contrairement à toi. Mets pas ça en compte et arrête un peu le nain. Là, on parle vraiment contrat, de quelque chose de sérieux. On a signé un contrat. Ton contrat, c'est d'aller te suicider. Ah, bah cours chez toi. Ah. Réfléchis un peu. Cours chez toi, je peux pas refuser, je me suis engagé. Sinon, je serai obligé de faire le serment du tueur. Non, Ragna, je n'ai pas prévu d'homme lézard. Pas encore. Arcane, je fais le tour de la maison comme ça, là, tu vois, comme je me déplace. Et je regarde par les fenêtres cassées s'il n'y a pas d'autres saloperies qui peuvent éventuellement arriver pendant que les deux autres ils se disputent. Pas de soucis, t'inquiète pas. Vu le bruit que font. Vu le bruit que font les ogres, tout le monde. Enfin, vous pourriez même parler normalement qu'il n'y a personne qui vous entendrait, hein. Donc on est d'accord, Arcane, si on va par là, c'est une autre partie de la ville, là, c'est une autre partie de la ville, et ici, c'est où on est arrivé, donc idem par là, quoi. Oui, y a pas... ce sera une autre partie de la ville, ça sera la même map, mais... Et voilà. Bon, on choisit quel côté? Est, ouest ou nord? Enfin, moi, je te conseille d'aller au sud, le nain, et nous, on va monter vers le nord. C'est ça. Il m'énerve ce que c'est vite. Bah, c'est pas grave. Est ou nord? Mercutio. Bah, moi je te dirais le nord. J'aurais eu tendance à dire à aller vers l'est. L'elfe? Ou à l'est? Bon, bah, l'est. Problème. Le nain, tu ouvres la marche et tu vas tranquillement. Bah, j'attends les deux autres. Ah ouais, je suis derrière vous, les gars. N'est-ce pas, Shadow, n'est-ce pas? Si j'en complotais qu'un. Je rappelle, j'ai une quinzaine de bandes de mercenaires de tout poil et de toute race. C'est surtout le de tout poil qui me fait flipper, moi.
On arrive par quel côté sur la même map, petit? C'est toujours la même map, mais par quel côté on arrive Attends, je vais te faire ça. Je vais te faire ça classique. Prends l'un des quatre. Le 1, c'est en or sens horaire. Allez, hop. Et bah, t'arrives du nord. Voilà. Aldré. Tu trouves à peu près le même genre de quartier. Toujours autant délabré, toujours autant miteux. Le bruit des ogres qui se fait toujours entendre au loin. Est-ce qu'on voit quelque chose d'autre de vivant ? Pas spécialement, mais vous pouvez faire des petits jets. Qu'est-ce qui m'a pris de vous suivre ? Au cas où, et je parle pas d'un instrument de musique nul, mon arbalète est chargée et j'ai la main dessus. Les deux couronnes ennemies par jour. Ah, y a de ça, oui. Sachant que là, vous avez déjà deux jours de payer. Tu nous fais un petit jet de survie, Eva, en bonus, pour vérifier possible, s'il y a un... Attendez. Hop, ils sont là. À DSU, qu'il se passe rien avec les trois bandes que j'ai prévues pour ce soir. On va essayer au maximum de les esquiver. Alors, ça dépend, si on tombe sur une bande de gobelins, on leur casse la gueule, mais... Oui. Pas négociable. Bon, la bande de gobelins, c'était les ogres. Aïe, aïe, aïe. Du coup, oui, est-ce qu'il se passe un truc, du coup, parce que là, on fait un peu rien. J'attends qu'Ebam fasse le jet de survie. Vous faites des recherches. Bah, j'attends, parce que quand on m'a dit de faire le jet de survie, on m'a dit d'attendre. C'est sûr que si à chaque bande vous croisez, vous fuyez la queue entre les jambes. Attends, t'as vu ce que tu nous fais? Toi, t'imagines? C'est clair. Le prochain, c'est des vampires et ceux d'après, ce sera des dragons. Oh, non, putain, les dragons il y est arrivé. N'existent pas. Voilà. Les dragons n'existent pas en tant que société. Ok, mais même un dragon tout seul, ça risque d'être un peu un problème. Hein. Bon, il a réussi son jet de survie. Yeah. Plus vite. Oh, j'ai vu. Ouais. Pourquoi le génocide de Gob? Tout simplement parce que les gobs, c'est simple à tuer, ça fait de l'XP. Voilà. Parce que les gobelins sont des saloperies de peau verte qu'il faut les exterminer, c'est tout. Voilà, c'est ça. C'est plus ça. Rappelle-toi, Ragna, j'avais craché sur ton cadavre à la dernière session. Moi, c'est pas ma faute, hein. C'est mon dieu qui me dit de tuer les peaux vertes. Hein. Alors, je les tue. Ah, il s'est récupéré. Oh, petit jet de perception. Monde visuel. Donc, Andrea, tu as ton bonus. Ok. Un bonus pour les autres. Vanilla. Bah, c'est perception visuelle, donc. Ouais, Vanilla pour moi. Moi, je l'ai réussi. Ah, je vois rien là, je me prends un poteau, tiens. Je suis myope. Alors, tu l'as réussi à combien? Tu l'as réussi à 11 et Aldrea l'a réussi à... Non, moi j'ai fait 18 et Aldrea elle a fait 36. Oui, mais 18 c'est la marge. 29, ça, c'est la marge. Ah, la marge, d'accord, je savais pas que ça comptait. Ouais, c'est la marge qui compte. D'accord. Et Aldrea l'a réussi à moins de 10. Donc toi, t'as fait Aldrea a fait une réussite de 0, toi t'as fait une réussite de 1. D'accord. Voilà. À mort les peaux vertes. Oui, si on... Oh putain, ils sont encore là, ceux-là. Mais ils sont 4. Ce coup-ci, ils sont 4. Non, là, c'est parce que c'est...
Parce que j'ai pas changé de... d'avatar. T'inquiète pas. Ah là, c'est des orques. Ou alors c'est des mecs de l'Empire parce qu'il y a Karl Franz. Ça, c'est Karl Franz. Ah, ouais, mais Karl Franz, il t'a prépa un nain. Non, c'est contre Sigmar. Par contre, si c'est des Marienburger, tu as des chances pour qu'ils tirent dans le cul. Ouais, mais les Marienburger, il suffit de leur proposer un bateau, c'est bon. Les Marienburg, ça reste Marseille ou la Corse, hein. Ils aiment être indépendants, hein, Marienburg, hein. Tu leur dis, tiens, faut juste leur filer une mairie, ils la font péter, c'est bon. Ça t'échauffe pas, toi, Sancho, sachant que t'es corse? Je le suis qu'à moitié, donc ça me fait rien. Ouais, t'as envie de faire péter que la moitié de la mairie, quoi. C'est ça. Moi, j'y fous le feu, je la fais pas péter. Ouais, non, parce que faites pas chier, hein, j'ai un des modos, il est corse, marseillais, espagnol, machin, il vient de partout. D'Inde. Et l'autre, elle snipe plus vite que son ombre. Le chat veut du sang, mais nous aussi, on veut du sang, Ragna. On attend juste... Si tu veux, Ragna, on peut avoir du sang, le chat. Mais pas le nôtre. Mais nous, on veut du sang qu'on est sûr de battre. Tu vois, c'est pas du sang... ou... Sur alors je tue le Kislevite ou pas. Non, là on attend juste que Tati elle nous dise la suite. Et a changé d'avatar pour Alitanar. What? Je vois un elfe du froid là, non? C'est Alitanar, ouais, ça. Si on voit un elfe du froid, ça va pas bien se passer non plus, hein. Alors. Je retourne voir les ogres. T'as bouffé par là-bas. Alors. En hors-jeu, oui, c'est le portrait d'Alisanar dans le dernier livre d'armée aux elfes. Oui. Mais je vous rassure, ce n'est pas Alisanar, c'est juste... C'est très étonnant. Un elfe. C'est quoi Morrigan? Dis-nous! C'est juste un elfe. Qui ressemble à quoi? Ouais, alors je tiens juste à dire, hein, que mm-hmm. Celui qui est à côté, celui qui est là, si vous le reconnaissez pas à son chapeau. Ah, c'est pas lui, j'ai vérifié. Ah. Bon, du coup, c'est un elfe, mais il ressemble à quoi? Lui, c'est un random. C'est pas celui auquel tu penses, parce que justement, d'accord. Je me suis posé la question. Ah, je sais pas, il avait aussi le chapeau bit, alors... Oui, bah, comme 99% des mages de cette faction. En vrai. Donc c'est de l'eau elfe Ah oui, c'est de l'eau elfe, oui. Ok. Oui. Bah, tu peux me faire un test de connaissance au elfe à plus 10? Ouais, non, enfin... Du coup, vu la tronche... Pour avoir plus d'infos. Oui, éventuellement, oui, mais après, vu la tronche, on dirait clairement genre un mec de Safiri qui se balade avec un chasseur, un rôdeur, mais... Allez, go. Et oui, c'est à peu près ça. Je sais pas. Ça fait trop longtemps que je suis parti, dis donc. Voilà. Oula, quand moi je les vois, quand ils ont passé le coin de la maison et que je les vois... Je serre très fort ma hache et mon bouclier. Je vais quasiment leur cracher aux pattes. Pas encore, hein. Mais je leur fais pas combat, ça reste des elfes. Hein. Je vais me mettre à côté du nain et je vais poser ma main genre sur son épaule et je vais dire on se calme direct. Je reste derrière. Moi j'ai rien vu, je peux pas le faire. Ah mais si, là vous inquiétez pas, ils sortent de l'ombre. Bah justement, où sont les autres ombres? Ah, ça... Par grenier, les elfes. On est déjà entourés, on le sait pas. J'ai la bave aux lèvres qui commence à monter. Est-ce qu'ils font un truc quand ils nous voient, Morrigan? Ouais, ce qui ressemble à... personnage un petit peu plus important des deux, à savoir le noble chasseur,
Il vous regarde, il te regarde d'ailleurs. Le chasseur a l'air d'être le personnage le plus important des deux. Oui. Ok. Avec une flèche sous le pif. Il va se souvenir de quel pays? Ah bah non, mais j'ai raté mon jet. Merde. Ami ou ennemi? Personne n'est dans Bordain, personne n'est copain. Ouais, normalement, mais bon. Bah, du coup, vu qu'ils disent rien, moi je vais avancer et je vais leur dire, enfin, je vais les saluer. Mm-hmm. En quelle langue tu fais ça? Pour un Eltarin classique, enfin, la langue commune à tous les elfes. D'accord. On va m'expliquer pourquoi dans groupe, votre langue. Vous entendez l'être s'avancer vers eux et parler dans une langue inconnue. Et le noble posait son regard sur vous. Morgan, pourquoi tu fous la merde? Tu font croire que j'aurais venu attaquer les ou une merde du genre. En fait, Lofo, il a raison, tu parles en ch'ti, en fait. C'est pour ça que personne te comprend. Après, je tiens quand même à préciser, hein, la langue des elfes, c'est l'Eltarin. La langue des elfes, c'est le pif, hein, le nez, en français. Hein. Voilà, rien juste à dire. Encore une langue de merde, hein. Un peu comme tout ce qu'ils font, d'ailleurs. Mais ferme-la. Tu veux qu'on parle du Casalide, c'est ça? Oui. Mais du coup, ils répondent quoi, les autres glandus, là? Ce qui ressemble à un mage, parce que toi, tu identifies en tout cas, sans trop de difficultés pour un mage, reste silencieux en arrière. Là où le noble te salue en retour et te demande, toujours en Eltarin, il n'a que du mépris pour les éphémères qui t'accompagnent. Te demande ce que tu fais si loin de chez toi. Je souris et je réponds, nous sommes des elfes, le monde entier est notre queen. t'as pas le droit de réagir, tu comprends pas ce que je dis. Non, bah, je lui explique rapidement que je suis en mission dans cette ville et que je ne m'attendais pas du tout à trouver des elfes ici. Au sein du clan, mais surtout pas un noble et un mage. Oh, ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas sans escorte. Je ne sais pas si c'est censé être très rassurant, mais dans tous les cas, ça me dit pas ce que vous faites ici. C'est une menace voilée, oui. Non, mais clairement, enfin, genre bullshit, I call bullshit. Quand ils parlent là dans leur langue, dans leur ch'ti là, moi je dis aux autres, on leur fait pas confiance, préparez-vous au cas où, ça sent le piège, c'est des elfes. Fais gaffe quand même. Comme facepalm quand ils me disent ça, et je me retourne et je dis, tu sais que non seulement ils t'entendent très bien, mais il y a aussi de très bonnes chances qu'ils parlent parfaitement la langue. Hein. C'est oui, ça. Bah, je me mets de façon à les insulter en casalide, alors... Et méfie-toi quand même, parce que bon, deux elfes, aussi puissants que peuvent-ils être, je ne pense pas qu'ils viennent se balader ici tout seuls. C'est bien pour ça que je vous dis de vous préparer. Oui, non, justement, garde ton calme, non, en fait. Ne te montre pas menaçant. Ah là, c'est pas la torpille anti-troll que je sors, Ragna, c'est le canon que je sors de ma poche. Donc ? Oui. On a cassé Morgan, ça y est. Non, mais j'avais prévu. Le nez. Bande d'elfes, voir si. Hein? Ils m'ont pas répondu. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Alors, ils sont. Oh, ils sont. Ils sont. Qu'est-ce que j'avais mis dans ma fiche pour eux déjà? Pour eux, ils sont venus à la recherche d'une ancienne. Au final, comme beaucoup d'aventuriers de toute façon sur Mordheim, hein, ils sont venus chercher
Ils ont entendu parler d'une relique, ils sont venus essayer de voir s'ils pouvaient mettre la main dessus, quoi. Est-ce que la... Ouais, non, bah non, ils vont pas me dire ce que c'est la relique, parce que si jamais on cherche la même, ça va pas loulou, par contre. Et ils viennent d'où? Ils s'appellent comment, ils... Ils viennent... Une terre oubliée, même pour les elfes. Quoi? De toi à moi, Nagarit. Ah, d'accord. Mais il y a des mages à Nagarit? Putain, je le savais. Bah, quand il me dit ça, je dis, oh, cool, au moins vous êtes pas des fancy elfes. Des quoi? Fancy, c'est genre raffiné, tu vois. C'est pas de l'elfe de Lauterne qui passe son temps à glander et à boire du vin onirique. Ah bah, il serait pas là hein, s'il l'était. Ah ouais, mais c'est quand même cool. J'aurais préféré avoir des hippies, mais bon. Alors, je suis désolé, mais le dernier mème de Céine, il mérite d'apparaître sur le stream, 2 minutes. Ok, ça marche, je vais aller voir. Il mérite. Ah là, il mérite le mème de Céine. Oui, c'est même là où il est pas mal. Ah là, il mérite, là. C'est pas mal. Voilà. Non, bon, l'avant-dernier aussi, il mérite, mais je le montrerai pas parce que ça ferait trop plaisir à Aldrea. Donc, ouais, ces elfes. Ces elfes, mais celui-là, quand est-ce qu'ils vont essayer de... quand est-ce qu'ils vont essayer de nous mettre une dague dans le dos, ces elfes? Bah, probablement quand tu leur auras tourné le dos, mais. En vrai, je sais pas, je suis pas sûre de quel genre de relation mon royaume entretient avec Nagarit, en fait. Du coup, je sais pas trop si genre, je leur crache dessus ou pas. Personne n'entretient des relations avec Nagarit. Oui, mais ce que je dis, c'est que je pense que de tous les royaumes, il y a c'est... Une autre... c'est pour ça que quand il t'a merci expliqué Bélinia. Que c'est le royaume oublié, c'est pour ça que enfin, tu sais pas que c'est Nagarit, mais globalement... Après, il va m'appeler la sudiste et je vais être obligé de l'insulter, ça va être terrible. Tu comprends. Ah, franchement, si vous commencez à vous insulter, moi je sors le popcorn, je vous regarde. Hein. Des elfes qui s'insultent, c'est pas tous les jours. Aussi, c'est tous les jours, mais c'est juste tous les jours pas chez nous, tu vois. On voit pas ça tous les jours, donc franchement, si vous vous insultez. Mais du coup, je sais pas trop quoi foutre avec eux. Genre, ils vont pas venir avec nous, mais on va pas se taper non plus. Donc, je leur demande quel genre de bande ils ont pu croiser en ville et genre vers le quartier riche, est-ce qu'ils ont vu du monde un peu dangereux enfin. Oh, ils peuvent, ils peuvent te renseigner sur le type de bande. Pas mal d'humains. Voilà. Comment je vais faire ça? Sur lesquels ils ont bien pu tomber. Voilà. Alors, pendant que Tati fait ses jets, HRP, je pourrais tellement déclencher la guerre entre eux et nous. Oui, non, mais complètement, mais que là ils attendent. Ah non, mais tu sais qu'il suffirait que je dise une phrase pour que la guerre elle parte, hein. Non, en partant, je fais. On est à Mordheim. Il y a 9 chances sur 10 qu'on cherche tous la même chose. Il suffirait juste qu'en partant, je fasse bon, allez, on retourne chercher notre amulette. On n'a pas le droit au pet de travers, sinon on y passe. Mais arrête de croire qu'on va y passer tout le temps. Arrête, déjà c'est des elfes. Mais, hein, ils sont pas 50, hein. Tout. Mais putain, t'as pas vu dans l'endroit. C'est marrant que tu dises ça parce que regarde où on est, regarde ce qu'on a croisé, regarde ce qu'on a devant nous. On j'ai a moins regardé, mais c'est plutôt assez conscient de ce que je dis. Je t'explique. Des bandes de bourrins. Ah, merci, vous allez en croiser tous les 4 matins. C'est Mordheim, justement. C'est pour ça que je dis on fait pas un pet de travers. C'est oui, mais celle qu'on peut pas vaincre en fait. Bah, je... Et après, bah,
tape mes compatriotes. Le truc, ce qu'il faut comprendre, c'est, comme disait tantôt à propos des ogres, hein, bah, si vous tombez sur de l'orque et gobelin, ouais, ça va taper à vue. Avec les autres, bah, s'il y a moyen de s'en sortir avec du dialogue et de l'échange de bons procédés. Sachant que, Eba, là, tu t'en. Enfin, Eba, si on rencontre, imaginons, prochain carrefour, on rencontre des nains, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire, c'est Aldrey qui va vouloir les insulter, moi qui vais calmer le jeu, tu vois. C'est... Non, mais voilà. C'est pour ça, oui, mais c'est pour ça, mais tranquille. Non, j'ai juste... Et je te rassure, il y a une bande de Kislevites et il y a une bande de chasseurs de sorcières. Ça va être tellement, en fait, ça va être tellement le running gag. Ça va être tellement le running gag parce que quand on va croiser les Kislevites, c'est Sancho qui va vouloir les insulter, et quand on va croiser les Répurgateurs, c'est Eba qui va vouloir les insulter. Ah, mais quand on va croiser les Répurgateurs, j'aurais pas compris. Ça va être le running act. Ça dépend de quelle ville ils viennent, j'ai pas confiance. Bah, je demande aux elfes, enfin je leur dis que on est arrivé il n'y a pas très longtemps en ville, et est-ce qu'il y aurait genre moyen de les accompagner jusqu'à leur camp, au moins comme ça, si jamais il est proche du quartier riche, qu'on puisse se rapprocher en étant sécurisé. Histoire de pas tomber genre sur un truc pire que les ogres de tout à l'heure. Bon. Alors déjà, ils vont répondre à ta question et ils vont être gentils, ils vont répondre en commun. Et en vrai, pour des elfes, j'explique à mes compagnons, et les gars, en vrai, pour des elfes, parler en commun devant vous, c'est très très poli, tu vois. Voilà. Ils expliquent calmement, ils ont croisé outre les ogres, que tout le monde à peu près ici a dû croiser au moins une fois, quand ils sont discrets, ils ont croisé principalement des humains. Par contre, faut pas leur demander de faire la différence entre un humain de Tilly, un humain de Marienbourg, un humain du Kislev, ça ils savent pas faire la différence. Tous les ogres, ils étaient aussi. Il y a un truc qui est marqué dans les traités nains, c'est que pour reconnaître des Tiliens, il suffit de voir s'ils parlent avec les mains. C'est tout. Les ogres, non, ne sont pas spécialement hostiles. Ça reste des forces de la nature, hein, ça reste des ogres, mais ils sont pas là pour venir faire un pillage, ils sont là, ils sont là pour s'enrichir. C'est bon à savoir. C'est du mercenaire ogre qui a soit été engagé par quelqu'un, soit qui... comme n'a pas de contrat en ce moment, a décidé de fouiller, voir s'ils n'arrivaient pas à trouver des choses. Et je leur demande, qu'est-ce que vous cherchez comme coupe de relique exactement? Alors, pour eux, de leur côté, ils ont entendu parler d'une relique maudite qu'ils essayent de localiser et de détruire avant qu'elle ne tombe entre des mains... moins précautionneuse. Bah, c'est sûr que si on compte sur les humains pour gérer les reliques maudites, on n'a pas fini. Tu dis en humain ou en elfique? Non, je veux dire en humain. Bah, moi, je l'insulte en casalide. Hein. J'insulte les elfes en casalide. Elle a en langue commune, en Restland, et je lui réponds « Je t'emmerde !» Je lui réponds « Moi aussi !» Mais moi, je t'emmerderai plus longtemps. Je passe ma main sur le visage, je fais un face palm. Moi je les insulte tous en casalide. Je dis aux elfes, vous voyez que notre groupe est soudé et très cohérent. C'est cohérent avec ce monde de le mage se met à tiquer. C'est-à-dire rigoler ou c'est-à-dire Twitch bizarroïde. Genre il regarde le nain et l'espace d'un instant, vous avez l'impression qu'il a compris ce que le nain essayait de dire. Ah.
C'est vrai que c'est un sacrilège pour les nains qu'un autre que eux parle Casalide, sauf qu'il y a des dictionnaires Casalide à la bibliothèque de OF. Du coup, tous les elfes qui veulent apprendre le Casalide, ils peuvent. Et en Casalide, je fais. Pas tout ça, mais je me parle à moi-même. Hein. Je fais, c'est pas tout ça, mais on a une relique à les récupérer. Et puis je dis aux autres, bon bah merci les elfes. Hein, nous on va continuer notre chemin. Et on se casse parce que ça a rien de parler pendant jusqu'à la fin de la journée. On n'a toujours pas trouvé d'endroit où se planquer, je rappelle les enfants. Hein. Justement, je leur avais demandé si on pouvait aller se planquer avec eux, temporairement. Je fais pas confiance. Je suis un nain, putain. Je le regarde et je dis, mais t'as confiance en moi, n'est-ce pas? Et là, je lui crache aux pattes, je lui fais je t'accepte parce qu'on est dans le même groupe, mais ma confiance, tu l'as pas. Là, je secoue la tête et je lui dis mais au vu des événements des derniers jours, j'ai l'impression que la personne qui est pas digne de confiance, c'est plutôt toi, à attaquer tes compagnons régulièrement. Je regarde les barres. Fallait pas me menacer de me raser la barbe. Les nains et vos barbes. Parce que pendant que vous vous disputez hein, aussi discrètement qu'ils sont apparus, les elfes. Bah non, mais ils se cassent, ces connards. Vu que vous êtes en train de vous disputer, ils vont pas rester à regarder. Hein, ils ont non, mais revenez, vous avez pas répondu. Oh, le vent. Sérieux, c'est Magali. Et là, t'entends en partant, t'entends le seigneur elfe te dire à toi, Aldrea. De toute façon, Alita, c'était un débile. Non, je dis pas vraiment ça. Mais du coup, ils se sont vraiment... Surtout qu'Alitanar n'existe pas. Hein. J'ai dit c'était un débile. Il est mort il y a longtemps, mais il a pu être un débile à l'époque. Bon. Le problème d'Alitanar, c'est que... Les elfes ne le connaissent pas, en vrai. Est-ce que ton personnage, je le connais au moins, Alitanar? Non. Non, non. C'est une légende urbaine au sein des guerriers fantômes de Nagarit. Donc, non, non. Bon, bah, je lis ce qu'a mis Shadow. Aldrea, tu me fais confiance, n'est-ce pas? Snorri, je te tolère à peine, sale bouffeuse de salade. Et en plus, ces œufs, ils bouffent pas spécialement de la salade dans Warhammer. Enfin, pas les elfes, les hauts elfes, en tout cas. Tu veux qu'on en parle du régime alimentaire? Non, mais on va pas repartir sur cet énième. On va pas encore une fois repartir sur ce running gag. Bon, est, sud ou ouest, les enfants? Les cartes, c'est vers où? Parce que... Moi, je dirais juste hein, qu'entre les elfes et les nains, ceux qui bouffent le plus de légumes, c'est quand même les nains. Bouillard. Mais nous on fait la meilleure bière du monde. Voilà. Ouais, mais la bière est faite à partir de céréales. De céréales. C'est pas des légumes. Oui, ça reste des plantes. Si tu vois par là, une vache, ça mange de l'herbe, donc quand tu manges une vache, c'est manger de la salade. Non, bah non, parce que l'herbe, c'est pas de la salade. Bon. Allez, on recentre. Est, tu nous jettes un dé Non, mais il a raison, Ragna. À chaque fois, on part sur une heure et demie de débat lore pendant le JDR. Tu nous jettes un dé, Maury? Non, bah, vous n'êtes pas obligé de partir. Enfin, vous pouvez rester aussi. Vous essayez de trouver... Eba qui cherchait un endroit et on peut installer, par exemple, le campement dans cette ruine, par exemple. Dans la rue, non, plutôt dans une maison, enfin dans une maison de l'abri. Non, mais il n'y a pas de maison, et il n'y a que des ruines. Hein. Est-ce qu'il y aurait du moins de ce qui ressemble à quelque chose. Globalement, là, le. Ce truc-là, là. Les murs, ils font à peine un mètre de haut. Hein. Personnellement, pour moi, le truc le plus intéressant, ce serait ça. On localise le quartier riche entre guillemets et qu'on s'installe pas trop loin dans un endroit safe. Bonjour. Bonjour. Non, pour moi ce serait là le plus intéressant. À la limite celle-ci, voire celle-ci qui a l'air d'être la plus en meilleur état que toutes les autres. Mais elle vient de dire que tout est en état de ruine perpétuelle.
Celle que j'ai désignée, vous considérez que c'est la moins délabrée, la plus... Celle-ci, là. Elle a un étage. Oui, voilà, c'est considéré que là, c'est qu'une vue de dessus. Hein. Oui, et puis même, je veux dire, pour éviter de se retrouver dans, dans l'une de ces cahutes, on va dire ça comme ça, et éviter que ça, nous, ça, que ça s'effondre quand on est en dessous, autant se mettre juste encore un peu plus au sud, quoi. Je veux dire, entre les quatre maisons. La raison pour laquelle j'ai choisi celle-là en premier lieu, c'est parce qu'elle est au centre de la carte. Oui, oui, mais moi ce que je voudrais c'est encore juste simple, aller... C'est plus simple si jamais on doit faire un combat à un moment donné. C'est bon, j'ai proposé bon, juste un peu plus au sud, là, vraiment entre les quatre maisons en fait. Enfin, entre les quatre ruines. Devant la statue de gargouille là. Ouais. Ouais, alors considérez que c'est pas une statue de gargouille, hein. Ça passe très mal. J'avais bien compris. Non, mais moi, la seule question que je demandais, c'est est-ce que la maison, elle a un étage? Ou est-ce que c'est juste un rez-de-chaussée? Il y a dû avoir un étage un jour, mais l'étage, il est dans un triste état. Ça veut dire que si j'essaye de monter dessus, je passe à travers. On est d'accord. Tu dois pouvoir te faire un pigeonnier. Voilà, c'était l'idée générale du truc. Bon, ça s'installe rapidement ici, quoi. Posez vos affaires, si vous avez des trucs à boire, faites-le maintenant. Voilà. Je vous laisse, laisse faire le point, un petit peu, discuter entre vous, des rencontres que vous avez faites, des rencontres que vous avez fuies. Peut-être discuter aussi des informations brèves avant que vous décidiez de vous écharpier qu'a pu vous donner l'elfe. Bah ouais, je vous le dis, j'ai un mal de ventre pas possible à être ici avec vous. Hein. La souillée tébrelle qui se lévite ? Non, c'est par là ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment un très mauvais pressentiment. Ah, mais non. On est d'accord, hein, cette fille, elle pue du cul, mais sévère. Mais bon, on n'a pas le choix. Oui, oui, c'est ça. Bon, en tout cas, moi, ils m'ont saoulé, mes compatriotes. Hein. Jamais demandé de l'aide à un mec de Nagarit. Retenez-le. D'accord, c'est quoi Nagarit ? C'est un royaume dévasté au nord d'Ultuan. Il n'y a que des crétins edgy dedans. En général, ils arrivent, ils disent des trucs d'un ton mystérieux et ils s'en vont et ils ont servi à rien. Ah, c'est l'équivalent de votre Sylvanie, c'est ça ? Attendez, elle vient bien de dire, l'elfe, tu viens bien de dire que c'est des connards mystérieux qui disent des trucs et qui repartent. Bah, en fait, c'est toute votre race, ça. Ouais, mais eux, ils ont perfectionné l'art au point que même nous, ça nous énerve. Vous avez réussi à aller encore plus loin que votre saloperie naturelle ? Ouais, bah ouais. Je savais qu'on aurait dû vous exterminer. Ok, donc pour le topo, c'est que on est dans une ville complètement en ruine, avec quand même plusieurs représentants de races. Enfin, du moins pour l'instant, on a croisé des ogres, on a croisé des elfes, et qui n'étaient pas spécialement amicales, hein. De toute façon, que ce soit pour les deux. Ils vous ont pas attaqué, considérez que c'est déjà bien assez amical. Oui, enfin... On va dire que les elfes étaient neutres, et que les ogres, d'après ce qu'on dit les elfes, sont plutôt neutres. Ils vont merci pas Malva, Blouploup, pour le follow. Bah, alors, j'aimerais tenter, Morrigan, j'aimerais tenter un jet... de perception, s'il te plaît, parce que mine de rien, on a vu que deux de ces elfes et je leur fais pas confiance en fait. Je fais pas confiance à des elfes et puis on est juste à côté, on est le quartier d'à côté des ogres. Bonjour Céleste, on est le côté qui est juste à la périphérie, le quartier qui est à la périphérie de celui des ogres. Donc ils ont peut-être décidé de se bouger les fesses. J'aimerais tenter un jet de perception. Pour savoir si on n'a pas des invités indésirables. Parce que certes, on s'est posé, on a peut-être trouvé un endroit défendable, mais il y a de la vie autour. Il serait possible de tenter quelque chose de... un jet de perception, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Alors non, ça fait pas une heure qu'on s'engueule, ça fait une heure qu'on essaie de discuter avec des elfes. Mais bon, c'est des elfes, quoi. Déjà, t'as de la chance qu'ils t'aient pas attaqué, vu tout ce que t'as l'air d'avoir dit en casaline. Oui, mais enfin, si le mec a lu quelques traités sur les nains, il sait qu'on s'aime pas.
une chose de savoir qu'on s'aime pas sans l'une autre, d'accepter de se faire insulter en face par un éphémère. Alors bonjour Malva Bloop Bloop, coucou Céleste, coucou à tous. Ça a l'air d'être des copains à Sancho. Donc voilà, j'ai réussi. Juste pour rester alerte et savoir s'il n'y a pas des gens qui se baladent pas loin de chez nous. Les ogres, toujours au même endroit, toujours en train de ripailler vu le bruit, mais sinon tu ne détectes rien d'autre. D'accord. Moi je demande à Mercution si est-ce que de là-haut tu vois un quartier qui a l'air d'être un peu plus joli qu'ici ? Ce serait le quartier riche ? Possible. MJ, que voient tes yeux d'homme ? Tu veux faire... Ah, tu veux demander à celui qui est dans son pigeonnet de faire le même test ? Je suis à hauteur que je regarde les alentours, voir si je trouve le quartier le moins délabré, le plus riche. Le moins délabré, je sais pas. Donc, plus tu t'approches vers le centre, plus ça se dégarade. Après, le quartier riche... Il y a de toute façon, donc il va falloir qu'on le localise un moment ou un autre. Ne pas oublier, alors, juste pour vous faire un topo sur Mordheim, pour les gens qui ne savent pas, ne pas oublier que la météorite est tombée, je crois, si je dis pas de bêtises, pas loin du centre de la ville. La météorite de Malpierre, en soi. Ouais, il me semble donc que c'est un truc dans le genre. Hein. Oh putain, c'est vrai, c'est saturé de Malpierre ici, vous allez avoir des tentacules qui poussent du cul. Là, ça va être... limite, si on fouille la maison, il y a moyen peut-être de trouver des fragments de Malpierre dans la maison. Hein. Je dis ça, je dirais. Hey, bah, je te dis, les humains, ils ressortent, ils ont des mutations, hein, c'est obligé. C'est ça que mes fesses s'est gratté. Si tu vois un caillou vert, eh ben, tu le prends pas, c'est sale. Tu le mets pas dans la bouche, c'est sale. Prends-moi pour un enfant, Snorri. je ne vais pas jouer trop sur les mutations. Rien que parce que vous êtes dans la ville. Après, oui, comme dit Snorri, si vous commencez à lécher des fragments de Malpierre, bon, là, il y a un moment, faut arrêter les conneries. Mais voilà, c'est pas parce que vous êtes dans la ville que vous allez vous choper des mutations. Du coup, la question reste toujours valide. Est-ce que, de mon pigeonnier, je peux repérer un truc qui me semble être un quartier riche ? Fais-moi ton petit test de perception, puis on verra bien. Bonus de pitcher ou de... Bonus de pitié. Non, c'est juste ton test. Première fois que j'entends. T'en as même pas besoin, tu nous fais un 6, enfoiré. C'est beau, c'est beau. Je peux arrêter tous mes jets. La malédiction du Sancho serait-elle levée ? Me porte pas la guigne. Non, mais en vrai, là, Stellan est en train d'absorber toute ta chance pour ses prochains jets. On voit pas de quoi tu parles, Eba. Ah bon ? On voit pas de quoi tu parles. Pas du tout. J'adore le même qui est mis Shadow avec l'elfe méprisant. Genre, votre argument n'est pas valable, vous n'êtes pas un elfe. Et il est pas mal celui-là, il est pas mal. Bon, du coup, avec ma belle réussite à 20, je vois quoi. Bah, ça reste une ville humaine dans la plus pure tradition, à savoir, plus tu t'éloignes du centre-ville, plus c'est défavorisé, plus tu t'approches du centre-ville, plus ça a l'air d'être... Du coup, le quartier riche est pile là où a pété la météorite. Bah, ça promet. Non, pas spécialement, mais... Là, on va dire, il est à peu près quelle heure dans... Là où on est actuellement. Il est à peu près quelle heure, tu dirais. Ah, vous êtes arrivé quoi ? Allez, en fin de matinée ? Oh, il doit être quoi, 14 heures à peu près. D'accord, donc il nous reste encore un peu de temps. Les ogres sont encore en train de festoyer. D'accord, oui, m'étonne. Mais les ogres, à part bouffer et se battre, ils font rien de leur vie, donc. Si, racketter les autres aussi. Si, ils chassent la bouffe.
Il court après la bouffe, il la mange, puis il court après la prochaine bouffe. Ah. Donc on aurait le temps d'enquêter rapidement sur quoi on est venu, quoi. Pourquoi ce... Enfin, sur la chose qui nous a amené ici. Après, vous pouvez décider, par exemple, je sais pas, moi... Vous savez qu'il y a des ogres dans le coin, donc peut-être essayer de trouver de quoi négocier avec eux. Vous savez qu'il y a des elfes dans le coin, essayer de trouver de quoi négocier avec eux. Vous savez qu'il y a des humains dans le coin, essayer de trouver de quoi négocier avec eux. Ça fait plein de choses. Après, les elfes, je sais pas ce qu'on peut offrir, mais bon, si jamais on tue des trucs, on pourra toujours les amener à manger aux ogres pour avoir de quoi négocier. Bon. Ça bouffe des scavennes déjà. Un ogre, ça bouffe même de l'ogre. Hein. Ouais, bah. Non, si ça bouffe de l'ogre. J'ai un démon, il y avoir une deuxième tête à partir de là. Par contre, il faut faire attention, comme j'ai dit, les ogres savent qu'ils sont plus forts que tout le monde physiquement. Des bisous, Malva, merci d'être passé. Ils savent qu'ils sont plus forts que les autres physiquement, donc ils n'hésitent pas à en jouer. Ils peuvent très bien tenter de nous racketter hein, aussi. Hein. Après, les ogres sont pas non plus connus. Enfin. Ça reste des mercenaires, et si tu leur proposes le bon contrat... Oui, mais avec eux, généralement, le bon contrat, c'est tu ressors en slip et encore, ils sont pas contents, quoi. Ah bah ça, c'est si tu tombes sur un bon mangeur d'hommes, hein, parce que bon, en général, les ogres, c'est pas non plus des flèches, hein. Non, on peut potentiellement continuer un peu d'explorer. Hein. On n'a pas vu tous les quartiers, on peut encore explorer. Hein. Sinon, on pourrait explorer les 3 ou 4 dalles qui sont à côté de la nôtre. Oui, voilà. Histoire de prendre, je sais pas moi, Harry the Hammer sur le coin de la gueule demain matin au réveil. Ou un Van Cassen qui traînerait d'un parage, tu vois. Ouais, évidemment. Ou un Nicodemus. Alors lui, bien, si je le croise. Ou, et j'aime pas encore l'image Camille Mori. Oh, oh bordel! Ah! Mais bon, non! Oui, c'est pas... Oh, mais celui-là, c'est le running gag, vous savez que. Non, moi je propose. Je propose qu'on aille à gauche. C'est celui que je mets par défaut pour vous taquiner. Je propose qu'on aille là-bas, qu'on aille explorer un peu plus. On sait que c'est chez nous ici. Voilà. On sait que c'est notre base. Il faudra peut-être un moment la pimper pour essayer de se défendre un peu mieux. Mais on fait comme dans Vermintide. Hein. C'est parti. On va quand même. Ouais, voilà. Bon, est-ce que moi vous êtes un peu sustenté des choses du genre? Comme moi, j'en ai profité quand même pour manger un peu. Manger un peu de ration. Une fois qu'on est prêt, on repart et on va voir ce qu'il y a comme prochaine bombe qui nous attend. C'est ça. Bon, si on pouvait leur casser la gueule à ceux-là, là, je suis en manque de patates dans la bouche. Quoi. Ouais, mais ouais, je suis pas trop pressé, moi. On n'a pas de soigneur dans le groupe. Ouais, bizarrement, toi, je rejoins Mercurcion. Je suis pas trop chaud de combattre par ici. Non, mais... on va se battre. Oui, mais regarde, alcoolique. Si tu combats pas, tu t'améliores jamais. Si tu t'améliores jamais, tu deviens jamais plus fort. Donc tout le monde te lâche forcément la bouche. Tu peux pas t'améliorer si tu meurs. Surfait la mort. Oui. Ah. Voilà, ça, c'est des humains. C'est facile à casser des gueules, les humains. Attends, on les tape que si c'est de Marienbourg. Non mais on les tape que si c'est j'ai des juste Corses. Mis un portrait, j'ai juste mis un portrait hein, dans la liste des portraits que j'ai créé. Hein. Allez, on avance. J'ai croisé celui-là, hein, c'est juste que j'avais envie, voilà. Monsieur Aldrea. Aldrea, elle est en train de lire un livre. Elle écoute pas, elle part pas la baston. Tu nous jettes un petit dé, Maury, pour savoir de quel côté on arrive. Ouais. J'avais mis quoi? Que quelqu'un retienne bien de par quel côté on arrive. Alors, si on va revenir sur nous. Un en or sans horaire. Et ben ça fera que vous arrivez par là où vous êtes. Ok. Pas besoin de bouger. Si, il faut juste inverser. C'est-à-dire que moi j'arrive là et. Bah c'est important l'ordre de marche. L'ordre de marche, oui, non, t'inquiète pas. Le Auckland. Alors, vérifions, qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce qu'on croise? Qu'est-ce que vous avez croisé ce coup-ci? Oh, allez. Où qu'il est celui-là? Bon, il peut, Snorri, il peut lever son bouclier, avancer, et moi je vais avancer avec ma hache. Qu'est-ce que c'est que cette image? C'est quoi ce truc? Un humain. Non. Un humain, tout ce qu'il y a de plus. Il est en plein soleil? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de soleil, c'est Gotham. Avancez pas trop vite les mecs, hein. Soyez prudents. Vous diriez un noble chevalier sans spécialement d'armure apparente et son écuyer. Enfin. Bretonien. Plutôt un impérial. Je reconnais la couleur. Ça m'intéresse pas. Alors attendez, pas tous en même temps. Sancho, pourquoi ce client démoniaque qui vient de rouler en D4? C'était pour notre arrivée, dans quelle direction on venait? Non, mais pour moi, un noble humain juste avec son écuyer dans Mordheim, ça pue du fion. Sachant c'est pour ça que depuis. L'héraldique. Sachant cool. Qu'étant donné qu'on se balade dans Battle, et là, petit truc intéressant et important pour les gameplays et pour toutes les personnes qui jouent, depuis Blood Bowl, dans Battle, donc depuis Blood Bowl, il existe des amulettes qui permettent aux vampires de se balader sous le soleil. Non, mais c'est même encore plus simple que ça. Les vampires ont à peu près une douzaine de faiblesses différentes. Et quand tu crées un vampire, tu en tires 6 sur les 12. C'est vrai qu'il y a des vampires qui naturellement ne sont pas spécialement sensibles au soleil en fait. Ah, et il y en a qui craignent la flotte. Est-ce que l'écuyer c'est celui qui est en armure, c'est pas celui qui a les bras croisés? Oui, c'est ça. Ouais, sachant que le celui qui a l'air d'être un petit peu plus noble aventurier, ouais, une fois plus proche, il est pas en chemise, hein, c'est un gambison. Est-ce qu'il est pas long? Alors, non, il est parfaitement humain. Il n'a pas de crocs ni de griffes. Du moins d'apparence. Il a l'air étonnamment beau pour un humain, parce que si c'est ça, je l'attaque. Hein. Non, mais on va se calmer 2 minutes, et j'aimerais que le MJ me réponde, est-ce que je reconnais les couleurs de leur truc, bordel? Est-ce que tu as une compétence qui s'appelle connaissance héraldique? Connaissance générale empire. Peut marcher. T'auras moins 10, mais ça peut marcher. Donc je mets moins 10 au mode, c'est ça? Hein. Ah. Tu ne reconnais pas spécialement ces couleurs. Ah, tu ne connais pas tout l'Empire non plus. Ouais, voilà, donc je connais Null, ni ce qu'il y a autour et. Et là où j'ai bourlingué, donc je connais pas ses couleurs, ok. Bon. Je suis pas d'accord avec ton même, Sane, mais bon, c'est pas grave. Vu que c'est un impérial, je peux lancer la discussion. T'as pas une croix, bon t'as pas une croix de Sigmar sur toi, à voir s'il réagit en brûlant? J'ai un putain de marteau de Sigmar sur mon torse, mec. Voir s'il fait une combustion spontanée, non, ça marche pas. Vous leur dites bonjour. Avec le symbole du marteau, c'est une légende. Hola ? Oui ? Attends. Seconde. Oui, on t'entend, Eba. Bonjour, monsieur. Oui, c'est bon, il y a eu un petit souci, je reviens. Bonjour, jeune humain.
Bonjour à vous, Amina. Qu'avons-nous l'honneur ? Je suis Luca Lutzen. Et voici mon écuyer. De quelle contrée de l'Empire venez-vous ? Je ne reconnais pas vos couleurs. Oui. Allô ? Attendez une petite seconde. Je suis en train de relire un petit point règle. C'est rare que les chevaliers de l'Empire aient des écuyers. Nous ne sommes pas. Vous n'êtes pas des Bretoniens. Si, il y a une carrière de champion de taverne, Nies. Ah, mais Ragna, je la sens comme ça. Hein. Il y a une carrière d'écuyer qui est tout à fait ouverte. Oui, mais pas dans l'Empire, techniquement parlant. L'Empire n'a pas une façon de faire. Tu as des écuyers bretoniens, tu as des écuyers du Reckland. La petite noblesse en général, ceux qui n'ont pas une vraie armure. C'est ça. Ah, les pistoliers, non, c'est pas les pistoliers ça. Ça, ceux qui deviennent pistoliers en général. Ah. Mais avant d'être pistolier, tu deviens écuyer. Ou alors t'as les écuyers du temple. Mais c'est autre chose. Ils viennent d'où ceux-là alors ? Il vient d'où celui-là ? Là, on attend que notre MJ. Oui, je vérifie juste sur la carte si je dis pas de bêtises. Oui, il vient du Stirland. Ah, le Stirland, alors je te laisse parler. Je te laisse parler, Sancho, parce que le Stirland, c'est des fanatiques religieux. Donc... Ouais, alors attends, je vérifie. Ouais, c'est ça. Ah bah, moi je continue à fixer le noble dans les yeux. De mémoire, les mecs de Nuln et du Stirland, ils ont une comment dire, ils se parlent parce que. Nuln, c'est au carrefour du Stirland, de l'Averland et du Wissenland. Hein. Ah ouais, parce qu'on est au croisement. Quand moi je suis de cette ville, donc je sais un peu c'est quoi le Stirland. Merci mon lore, c'est cool. Mais est-ce que mon personnage a cette espèce de c'est d'appréhension que les mecs de Nuln ont vers le Stirland parce qu'il y a la Sylvanie qui est juste à côté. C'est ton roleplay. Oui, mais justement, comme j'ai pas pensé à ça avant, est-ce qu'on peut lancer un dé pour le définir maintenant ? Oui, tu veux ? Pendant que Sancho jette son dé, sur 4-5-6, il est méfiant. Et il n'y a pas de problème. Donc pendant que Sancho jette son dé, moi je vous fais le petit point. Le Stirland est dirigé par un prêtre de Sigmar. Par un mec complètement... C'est des fanatiques religieux, les mecs du Stirland. Voilà. C'est-à-dire, c'est des mecs qui n'hésiteraient pas à cramer la moitié des gens s'ils pouvaient. Basiquement. Ah, du coup, j'ai fait... méfiant. Bah, surtout ceux de l'Ouest, hein, pas trop ceux de l'Est. Ouais, mais non, c'est que sur l'Est, ils sont à côté des Van Cassen, donc c'est voilà. On sait pas si c'est un mec de l'Est ou de l'Ouest, tu vois. Donc moi, du principe... Donc je suis méfiant, je viens de Nuln. J'ai lancé le dé pour le définir. Pas de problème. C'est vaste, le Stirland. Ragna, il veut du sang, c'est Ragna, il veut péter-leur la gueule. Et que faites-vous si loin de chez vous, monseigneur ? Si loin, pas tant que ça. Hein. Appelle juste. Ouais, c'est à la frontière entre l'Ostermark et le Stirland. Mais là où les mecs du Stirland civilisation, c'est plus dans le sud. Et ben... Là, techniquement, vous êtes à la frontière entre le Stirland et l'Ostermark. Hein, donc. Mais attends, parce que quand il dit pas tant que ça, je fais excusez-moi, monseigneur, mais. Puis les récents événements qui ont uni toutes les races contre le chaos, vous ne devriez pas être en train de combattre la renaissance d'Evan Karsten ?
Je suis pas sûr que ton nain ait connaissance de tout ça, par contre. Si ça se passe 3-4 mois après Tempête du Chaos, j'ai relu le bouquin justement il y a pas si longtemps que ça. Mais qu'est-ce qui se passe pendant le règne de Karl Franz? On est en 2522. Oui, mais on a dit justement, ça se passait, on l'a redit au début du live, 2-3 mois après Tempête du Chaos. Quelque temps après Tempête du Chaos. Et justement, Manfred apparaît au grand jour. Je crois que c'est avant le déferlement d'Arcaon, ou c'est après Dans le livre des rêves, je l'ai lu il y a 4 mois. Et c'était dit que c'était après la Tempête du Chaos. Après la Tempête du Chaos ? C'est parce qu'il parle dans les Enfants de Sigmar, les dissensions qu'il y a entre ceux qui... Valten, c'était Sigmar, il nous a abandonnés, ou il a fait sa mission, il est rentré chez lui, ou il nous met à l'épreuve. Ok, j'avoue, je me souviens plus trop. Je lui demande, je lui dis qu'est-ce qu'il fout là Et qu'est-ce qu'il ferait là Non, c'est pas reparti sur le lore. Je joue avec le lore, Ragna, pour... Essayez de deviner si c'est pas un putain de vampire en fait. C'est aussi simple que ça. Ouais, bah alors là, tu... Ouais, enfin le problème c'est que tu joues avec des points de pinaillage de l'or que ton MJ a pas forcément fait attention quand t'as créé son PNJ, donc. Oui. Et. Bon, c'est un. Bah, sinon, je peux enchaîner. Monseigneur, vous n'avez qu'un seul garde, il vous arrivait malheur. Oh, vous inquiétez pas. Va. Vécu, j'ai montré plus d'une fois mes preuves sur le champ de bataille. Ce n'est pas quelques ruffians qui vont m'effrayer. Essaye de parler à l'écuyer. Ça me fait rire et je dis il n'y a pas que des ruffians qui traînent ici, mais vous, qu'est-ce que vous faites là? Tu pourrais venu chercher l'aventure, comme toute personne. Attendez, moi pendant que vous parlez, je recule vers l'aile, je fais... L'elfe ? Ouais. Attends. Tu sais faire de la magie ? Vérifie si l'écuyer il est pas hypnotisé. C'est vrai, je pourrais utiliser sens de la magie sens de la magie... Est-ce que ça détecte sens de la magie? En plus, là, on a les trompettes sur le live, donc. Les trompettes? J'ai mis de la musique d'ambiance de Dark Souls. Mais 8 âges dans les boules qu'on en finisse. C'est un objet, un lieu où une personne est enchantée par la magie. Faudrait que tu arrives à nous mettre le bruitage aussi sur Discord. Ouais, il faudrait que je mette le bot, un songbot, mais c'est chiant à configurer. Je le ferai pour la prochaine fois. Non, en fait, je le mets directement sur. Directement dans le. Dans les. Enfin, je peux créer une playlist directement dans Roll20. C'est juste que j'ai jamais pris le temps de m'en occuper parce que j'avoue que je n'ai pas spécialement de playlist. Hein. Du coup, je vais lancer le sens de la magie Arcane pour vérifier effectivement s'il y a un des deux qui est magicien. Alors, tu détermineras pas s'ils sont magiciens, mais tu peux déterminer si l'un d'eux est enchanté. Par contre, t'as un moins 20 de difficulté. Bon, bah. Non, je l'ai raté de toute façon. Après, techniquement, je peux le relancer jusqu'à ce que ça passe, hein, mais... ou que tu te chopes une méga migraine, parce que bordel, les interférences magiques dans le coin, elles sont violentes. J'aimerais essayer de parler avec l'écuyer, de voir si... Il y a un truc qui s'appelle de la malpierre. Ouais, pas de problème. J'aimerais essayer de parler avec l'écuyer et de voir, de lui demander « Bonjour, jeune homme, comment vous appelez-vous » Parce que votre maître s'est présenté, mais pas vous. Oui, bien sûr. La question, c'est que j'ai 50 millions de PNJ, donc faut que je retrouve. C'est Oscar. Lady. Je crois que je me prénomme Oscar. Hop. Tiens, et au cas où, depuis tout à l'heure, je fixe des yeux le... Enfin, je suis quand même devant lui, je le fixe, je regarde droit dans les yeux. Il n'y a pas un moment où il trouve ça malaisant quand même, le noble. Bah, Ragna, on peut pas se taper à tous les JDR non plus, à toutes les sessions non plus, hein. Faut pas croire, hein. On peut pas se taper à toutes les sessions non plus. Si, on peut, mais disons que ça risque de mal finir très vite. Hein.
Tu veux faire quoi Ah, tu fais quoi du moins, Al? Je demandais juste, depuis tout à l'heure, comme je l'avais dit, c'est que je suis planté devant lui et je le regarde droit dans les yeux, en fait. Et il n'y a pas un moment où il réagit de face à ça. Le noble. Lucas. Je le fixe droit dans les yeux. Ton regard, nullement impressionné. Non. Même pas un petit malaise ou quoi que ce soit. Comme il dit. Il a l'expérience. Ouais, il a de l'expérience au combat. Oui, et on est dans la merde. On mérite même pas de bot, donc il en a rien à cirer que tu le regardes. Attends, ton micro déconne un peu, j'ai rien compris de ce que t'as dit. Désolé, on m'entend mieux là ? Oui. Ouais. Je disais que pour lui, on méritait même pas de lui cirer les bottes, donc il en a rien à carrer que tu le regardes. Au pire, il va pas coller une si tu insistes trop longtemps. Ouais, mais s'il en colle une à Elba, c'est la raison suffisante pour que je lui en colle une dans la bouche. Donc... Voilà, c'est pour cette raison que je vais avancer, me mettre à côté de mon pote le Kiss Levitt. Je recule vers toi, s'il te plaît. Parce que je te pousse légèrement vers le nord avec ma main en mode arrête, c'est mal poli. c'est fou. C'est très mal poli ce que tu fais, recule. C'est fou que quand tout va bien, on est prêt à se tailler tous la gueule en quatre. Quand il y a un mec qu'on a envie de taper, on est tous potes. C'est... Tu veux que je fasse quoi du coup, Sancho? Je me décale un peu. La place qui est au-dessus de la tienne. Tu veux que je me mette là, c'est ça? Voilà. J'aimerais parler à Lady Oscar. Il n'est pas de l'Empire, il ne connaît pas les us et coutumes de chez nous. Très bien. J'aimerais parler à Lady Oscar et lui demander comment êtes-vous devenu écuyer de j'ai mangé son nom au noble là. De Lucas. Lucas. De Lucas. Bon ben. Ma famille a tout perdu dans le conflit. Nous avons traversé il y a quelque temps et. Monseigneur Lucas fut très généreux d'accepter de me prendre à son service pour que pour regagner un petit peu de gloire et de prestige. Est-ce qu'il a la voix roulante? Est-ce qu'il a la voix un peu, un peu roulante, un peu comme s'il était pas là quand il parle. Enfin, est-ce que je peux faire un jet de perception Non, c'est. Alors non, c'est pas perception, c'est. Je sais plus ce que c'est comme compétence. Il y a une compétence normalement pour détecter. J'ai évaluation, je sais pas si ça non, compte. Non, c'est évaluation, c'est un truc de nain, c'est savoir combien ça coûte les choses. Non, c'est une compétence avancée, de toute façon, il me semble. Je l'ai pas alors. Ça sert à rien, je l'ai pas, non. C'est pas grave, je l'ai pas. Bon bah on a pas d'infos de toute façon, donc à moins de lui mettre un coup de hache dans la gueule pour vérifier si c'est bien un vampire ou pas, on va continuer d'avancer hein les gars. On va chercher le prochain groupe. Hein. On peut quand même prendre 2 minutes et essayer d'être diplomate. Diplo quoi? Bien sûr. Et j'ai réussi même avec le malus de moins 20, Morrigan. Mais justement, Adria, tu devais pas faire un... Si, justement, si. Vous justement, je me suis dit que ça faisait assez longtemps que j'avais que j'attendais, je vais relancer un test. Du coup, il y a de la magie sur un de deux ? Ouais, l'épée du seigneur brille un peu, mais au-delà de ça... Ok, c'est pas des mecs normaux. Cassos. C'est des mecs normaux. Bon bah on se casse, allez, on va les laisser tranquilles. On peut essayer de finir la roue des dialogues. Hein on peut leur demander, est-ce que vous savez où est le quartier riche de la ville, déjà? Oui, ils veulent bien nous accompagner, y a pas de problème. Ah, ils veulent bien nous accompagner?
Tu sais, lui, c'est un noble en manque de combat. Oh, en manque de combat. Alors, si vous voulez, on a trouvé deux quartiers plus loin des ogres. Vous voulez venir nous accompagner pour qu'on leur casse la gueule? Pourquoi voulez-vous vous attaquer à des ogres? Bah, on est à Mordaï. Et pourquoi pas? Ah, pourquoi pas? Mes camarades plaisantent, monseigneur. Ils ont juste un humour un peu mal dosé. Je t'ai connu plus vindicatif, Percussion, quand même. De quoi? T'es connu plus vindicatif, tu t'écrasais moins devant les gens. T'as géchant, Percussion. Ouais, j'étais pas entouré de malpierres avec des mecs potentiellement dans des lucarnes avec des arbalètes sur mon cul. T'as géchant. Bon, bah allez, t'es, hein. T'es plus pareil. Et vous, t'es que, plus... faites-vous, que faites-vous dans cette triste cité? On cherche une relique. Une relique. Là, je mets ma main sur mon visage en mode mais putain qu'il est con. Nous avons été engagés par un noble pour récupérer un bien ancestral de sa famille. Et famille. Voilà. Hein, comment? Quelle famille? Le nom du noble ou pas? Hochstetter, il s'appelle Léonard de son prénom. Et sa femme, elle s'appelle Penny. C'est Horst. C'est pas Léonard, c'est Horst. Heureusement que j'ai pas le... Heureusement que je suis pas un nain marseillais. La famille de ton père, voilà. Alors, Tac. Pourquoi vous voulez attaquer des ogres? Pas pour l'XP, pardi. Mais qu'est-ce que l'XP? Alors, voyez-vous, c'est une monnaie qui vous permet de vous améliorer. Techniquement, l'XP de l'euro ne se pas en fonction du nombre d'ennemis tués. Ce que j'allais dire, on n'est pas à Donjons et Dragons. Là, par exemple, en faisant du bon RP, tu peux récupérer du PEC. Ah oui, j'ai déjà entendu parler de cette famille. Vous avez été engagé par... Par Hofstadter. Par le jeune... oui, je vois qui... J'ai déjà entendu parler. Pas en très bons termes, si vous voulez, mon avis. Et c'est... Il vous demande de récupérer une relique de sa famille, c'est ça? Pas en très bons termes, c'est-à-dire? Oh, bah, vous savez ce que c'est, hein? Non, justement, je sais pas si ça se voit, mais je suis pas vraiment d'ici. Genre, je monte mes oreilles dans ça. Vous essayez de filouter, c'est ça? Excusez-moi... Excusez-moi, madame. Non, bah, disons que vous avez les rumeurs, il y a les commérages, d'autres choses. C'est quoi ces rumeurs et ces commérages? Est-ce que la relique que vous recherchez ne serait pas. Une amulette. Merci, justement. Pas du tout. Je veux savoir. Parce que s'ils nous emmènent dans un truc foireux, je veux le savoir. Donc oui, en admettant que ce soit une amulette, ça pourrait être... Oui, il cherche la même chose et il va essayer de nous buter. C'est ça, je l'attends. Ils sont deux, on est quatre, on va les défoncer. Non, il t'en voit que deux. Pas la même mais chose. On otage facilement au corps à corps avec tes gros muscles de nain. La flatterie ne marche pas, l'elfe. C'était pas de la... En fait. Genre, t'as des gros muscles, ça veut pas dire que c'est un compliment. Hein. Tu sais, les mecs elfes sont assez efféminés. Hein. Ouais, et bah... Tu veux pas, vu qu'il t'a oublié, tu veux pas faire un petit tour, vérifier s'il y a pas d'autres connards qui sont en train de nous pointer en joue? Discretos. Je peux. Je passe derrière la maison au nord. Non, je te fais pas faire de jet, y'a personne. Ok. Bon, bah je fais ma petite balade parce que mes jambes commençaient à s'engourdir. De toute manière.
Mais donc, on va pas picher. Et donc, loin monsieur... Loin de moi l'idée de lancer des accusations, mais je me méfierais de cette amulette. Qu'est-ce que vous pensez savoir? Parce que là, c'est un petit peu trop nébuleux à mon goût, ce que vous nous dites. Oh. Je vais pas jeter le discrédit sur sa famille, mais j'ai ouï dire que... Bon, ouais. J'ai ouï dire qu'un de ses aïeux avait mystérieusement disparu lors d'une une purge de nos amis chasseurs d'aberrations. D'accord. Alors, si jamais il s'avère que cette amulette c'est quelque chose de dangereux, je devrais pouvoir le déterminer et au pire on la détruira. Hein. Quand vous dites que son ancêtre a été purgé, c'était des accusations fondées, tribunal, tout ça, ou c'est juste qu'il a été pendu haut et court? Je ne connais pas vraiment les faits. Comme je dis, ce ne sont que des... des bruits de couloir, mais disons que sa famille traîne une réputation assez sulfureuse. Vous savez, pour nous les nains, toutes vos familles de vos humains traînent des réputations sulfureuses. Hein. Vers Mercurion, et je lui dis alors, ça se trouve, on a été engagé par un hérétique. Ouais, et il finira au bûcher si c'était le cas. J'ai hâte de voir ça. Donc est-ce que vous pouvez nous indiquer le chemin vers le quartier riche, qu'on puisse aller de ce pas vérifier ce que c'est que cette fameuse amulette? Bon, je veux même bien vous y accompagner. Allez, un go. Ce serait trop urbain de votre part. Mais il n'y a que vous deux ici, alors. Je ferai le plaisir de l'aventure, si... trop de personnes cherchaient à me protéger. Et puis, nous sommes plus discrets à deux qu'avec toute une bande. Parfait. Bon, bah, à l'aventure, compagnon. Hein. Partons vers le quartier riche, tout ça. Oh non, il n'y a pas de problème. Bon, bah, feu, hein, on continue tout droit. Hein. Allez. Hein? Allez hop. Joue sur. Un petit D4. Ouais, par le sud. Donc, bah, il mène. J'ai vu, Ragna, j'ai vu que tu m'envoies des conneries par MP Discord, mais. Ouais, je les lis, mais je fais pas, je donne pas de. Je réagis pas, mais t'inquiète pas, elles me font sourire, petit cochonou. Allez, ce coup-ci, c'est une bande de quoi? Ça peut pas être une bande d'orques, là, qu'on leur casse la gueule? Non, là, je... Non, j'ai... j'avais préparé que 3 bandes pour ce soir, mais... Bah, au pire, on met les ogres et on leur pète la gueule à 6. J'ai envie de sang! Tu sais qu'il est déjà 23h. Et alors? Combat, ça va prendre 3 plombes. Mais non, on est 6, dont un mec avec une épée magique. Et dont un qui évite qui rate une attaque sur 2, et un mec qui peut attaquer qu'un tour sur 2. Une épée magique. Oui, mais regarde. C'est une épée de frappe, hein! C'est une épée de frappe. Sancho, regarde bien. Si le noble et son écuyer meurent, alors, l'hypothèse où on affronte les ogres et qui meurent. Tu peux piller leur cadavre et donc récupérer une épée magique. Alors non, ça s'appelle du vol et c'est pas bien. Bah non, s'il est mort, tu le voles pas. Bah, tu voles son cadavre. Bon, alors, imagine que les deux, ils meurent. J'imagine très bien. Tu peux récupérer son épée et avoir une épée magique. Ah oh, oui, oui.
Son bien magique retourne à sa famille, calmez-vous. Non, non, on dira que ça s'est perdu durant la guerre, et puis voilà. Et ma flèche dans ton poumon droit aussi, elle se sera mais arrête, Sancho, d'être oh aussi d'avoir... Oh là là, Sancho oh, oh non, pas Sancho, Mercurcion. T'as un balai dans le cul, hein. Mercurcion. Non, je suis désolé, c'est comme ça, non, c'est tout. T'es pour l'instant, t'es chasseur de primes, t'es pas encore répurgateur. Ouais, justement, en tant que chasseur de primes... Ils veulent pas des trucs toujours qui brûlent. Vous avez vu, hein, j'essaye de le dévoyer, hein, j'essaye de... Tu peux pas, c'est les commandements de Sigmar, je suis désolé. Même si l'amitié entre les nains et les hommes persiste, il faut veiller à la continuité de l'Empire, à ce que l'Empire... Eh ben, on le ramènera à sa famille une fois qu'on aura fini Mordheim. Bon, une épée magique en moins, ça va pas mettre l'Empire en danger. Et est-ce que... Allez, dis-moi, Tati Morrigan, j'éteins des, dis-moi s'il y a les ogres qui viennent. Allez, allez. Et pourquoi tu veux affronter les ogres? J'ai envie de taper des gens. Il fallait taper des ailes. Non, vous touchez aux ogres, vous défoncez. Enfin, voilà, je suis de leur côté, et du coup, on vous défonce. Alors tu sais que Nagarit il t'aime pas non plus. Hein, Oui, mais ils apprécieront toujours une elfe au-dessus d'un humain dans tous les cas, tu vois. Ça c'est clair. Ouais, ils ont coupé les oreilles et cousu la bouche, ils aiment bien les elfes en général à Nagarit. Bon bah allez, hein, à l'aventure. Hein. Youpi. Ouais mais attendez. En fait les ogres ils sont là. Vous savez pourquoi? Bah si. Regarde, je vais faire un dessin. D'accord? On est arrivé par là. Attends, c'est pas le bon, c'est Draw Shape qu'il me faut. Non. Yeah. On est arrivé par là. D'accord? Les ogres étaient ici. On est passé par là. D'accord? Attends, on a fait ça. On a fait ça, ça. Et là, on remonte là. Du coup, on n'est pas du tout vers les ogres. Tac, tac, tac. Ouais, non. On n'est pas revenu. Il aurait fallu qu'on fasse ça. Non, mais surtout, c'était juste une façon de dire cette histoire de varier un peu la map. Hein. Mais vous êtes pour le moment, vous avez plutôt. Vous avez fait une fois. Une fois le sud et après tout le temps vers l'est, hein, globalement. Alors je sais juste pas comment retirer ces trucs-là, donc... Oui, parce qu'au début, quand on a choisi la direction dans laquelle on partait, on nous dit qu'on partait à l'est. Bon bah, à feu, hein. Peut-être qu'on va voir quelque chose. Hein. Sélectionne et supra. Ah bah. Elle a un peu tout supprimé, Mori, mais... Ah, j'ai supprimé les deux bourrins. Alors, attends, il est où Alcoolique. Ouais, voilà, je suis réapparu. De toute façon, là, on se balade, hein, pour l'instant. C'est de la balade. Hein. Bah, lui, il se balade, je balade avec vous. Mais lui, je l'aime toujours pas, en fait. Je le dis, hein, je l'aime toujours pas. Bon, il discute ouvertement avec vous. Bon, il est assez axé. Il est assez axé sur le combat. Essayez de savoir un petit peu. Vous avez des hauts faits particuliers. Un nain comme vous doit bien être fier de ses batailles. Oui, mais je ne vous en dirai rien. Je ne vous fais pas confiance. Bravo, libre à vous. Vous savez, les nains sont très superstitieux. Tant qu'on n'a pas participé à au moins 3 batailles à leur côté, ils nous font pas confiance. Non mais je lui fais vraiment... Enfin, pour moi, deux gars comme ça qui se baladent, ça pue le vampire à 4 km, quoi. Ah, mais moi aussi, on vient du Tirlande, je lui fais pas confiance, mais bon, tu sais... voilà, on fait avec. On reste sur nos gardes, mais voilà. Je ne peux pas déplacer mon token. Ça commence pas à faire nuit d'ailleurs. Bah recrée-le. Et bah. D'accord. Non, là vous êtes en milieu d'après-midi.
Je regarde au nord, encore une fontaine. Non, c'est mais non, dingue arrête. Dans cette ville. Ah, et bah arrête. De quoi? De la fontaine. Mais non, je sais, mais c'est juste pour le lol quoi. Moi je trouve ça marrant de dire Lucas pour histoire de détendre l'atmosphère de voilà parle par exemple de la il y a quelques semaines quand il a croisé trois bandits ont essayé de le détrousser, mal leur en a pris, ils se sont retrouvés quelque peu beaucoup brille quelque peu rossé avec Perte et Fracas. Il vous parle assez fier de lui-même, assez de la façon dont il a esquivé leurs coups et riposté avec précision et vigueur. Je sors une gourde d'eau, je commence à boire et je fais monsieur Lucas, vous en voulez? Pas de problème pour lui. Hein. Et quand je lui donne, je fais sans faire exprès, je renverse un peu de la gourde sur lui. Pas comme ça que ça marche pour les vampires, a priori. Hein. Non, c'est pas comme ça que ça marche pour les vampires. Ça leur fait mal, mais genre juste une bouteille d'eau, ils s'en foutent. Quoi? J'essaye de trouver des solutions. Bah, si t'as une pièce d'argent que tu lui donnes et qu'il la touche sans se faire mal, là par contre t'es fixé. Tu veux de l'argent à quelqu'un? Non, parce que esquiver et taper ça pue le vampire encore. Pas forcément en vrai. Oui, un destro, hein. Un destro estalien, c'est ça. Hein. Il est pas d'Estalie, il est du Stirland. Non, mais. Arrête de chercher. Oh, je veux le flinguer! Eh bah, déclenche un duel! Prétexte que t'as envie de tester. T'as envie de tester. Et que tu proposes un duel amical, je sais pas moi. C'est pas con ça. Ouais, un first blood. C'est pas con ça. Fais. Monsieur Lucas, oui, est-ce que vous seriez contre un petit duel amical? Non, mais... Non. Non, il accepte. Pourquoi pas, après tout. Par contre, par souci d'égalité, je n'utiliserai pas mon épée, mais je prendrais. Tu vois qui sort une main gauche. D'accord. C'est donc le gars te manque tellement de respect. Genre, tu lui dis ça te dit un duel, t'as une hache à deux mains, lui sur une ronde. Non, moi j'ai une hache à une main, moi. J'ai une hache à une main bouclier. Moi. Non, il sort. Non, c'est juste qu'il va pas utiliser. Non, c'est juste qu'il est logique. Il est courtois et fair play. Il va pas utiliser son épée magique. Il va utiliser une dague. Enfin. Après bon, c'est... voilà, mais faute de mieux, parce que bon. Vous pouvez utiliser l'épée voilà. De votre écuyer. Oui, l'épée de son écuyer, c'est vrai. Oui, bon. Soyons fair play jusqu'au bout. Du coup, oui, l'écuyer lui présente son épée. Et il se battra donc avec son style habituel, à savoir épée main gauche. Nous devrions juste trouver un endroit, éviter de se battre en plein milieu de la route, près des potentiellement. Lieu de passage, je vous propose donc que nous allions faire notre duel près de la statue que l'on voit, la statue qui est ici. Oui, par exemple. Avant qu'ils commencent leur duel, un point en hauteur. Oui, pas de problème. Aldrea, t'es vraiment une saloperie. Je suis en train d'essayer de vérifier si c'est pas un putain de vampire et toi t'essayes de me flinguer. C'est un vampire, il faut que tu lui donnes une pièce d'argent dans ta bourse, s'il arrive à la tenir. Pas forcément, à main, si tu le mets assez en difficulté, si tu es dans le cas où tu le mets assez en difficulté, il peut avoir ses traits de vampire qui ressurgissent. Mais bon, c'est
Il y a beaucoup plus simple comme méthode que juste d'enclencher un duel contre lui, c'est tout. Bah oui, mais vous en avez d'autres, des méthodes? Et je viens de t'en donner une, tu lui donnes une pièce en argent sur toi? Eh oui, enfin... Et bah, ce que oui, je fais, c'est pendant que je détourne son attention, tu lui colles une pièce d'argent dans le dos. En plein mouvement, ça risque d'être un peu compliqué. Hein. Ou tu lui jettes à la gueule. N'importe quoi. Je prends une pièce en argent dans ma bourse et je dis « Seigneur Lucas, attrapé !» et je lui lance une pièce d'argent. Sérieusement? Bah honnêtement, on va pas y passer trois plombes. Hein. Il va pas avoir le temps de voir ce que c'est, il va l'attraper par réflexe et basta. Moi, s'il a son épée et sa dague dans les mains, il pourra rien attraper du tout. Mais il les a peut-être pas encore. Au pire, elle l'atterrira sur sa joue et on sera fixé. Au pire, il va l'esquiver et t'auras perdu une pièce d'argent. Oui, on va la récupérer. Oublie pas, je suis un nain. J'ai le... Il fait quoi? Il l'attrape et te regarde un peu interrogatif. Il se passe rien, d'accord? Non, il se passe rien. Bah voilà, bon, bah alors dans ce cas-là, je fais bah merci, sœur Lucas. Toute cette mascarade n'était juste que pour vérifier que vous ne soyez pas une créature de la nuit. Non, tes plans hyper compliqués. Toujours, je sais pas faire simple. Ah ouais, mais tu vois, c'est pas si difficile hein, de faire simple. Il éclate de rire. Il est un peu déçu. Bon. Pas forcément quelle bande de blaireaux, tu sais. On vient d'arriver, on rencontre deux gars qui se battent tout seuls. Non, il éclate de rire, il comprend votre méfiance. Il est un petit peu déçu, parce que bah le... Ouais, la perspective du duel l'avait un petit peu enjoué, mais... Bah si, quand même, s'il désire faire le duel en 1v1 quand même, de toute façon ça nous dégourdira les jambes avant la fin de la soirée. Hein. Ouais, pas, après tout. Ouais, voilà, faites un petit du là, qu'on rigole. Ok. Premier pari. On rigole rien, je premier sang, premier sang, Sir Lucas. Par exemple. Entre noble gentleman. C'est ça. Bon bah je me mets en position. Hein. Oui, lui aussi. Attendez. Moi je sors du popcorn de mon sac. Je vais dire si j'ai pas de popcorn, je fais du popcorn, mais je suis pas mal de feu donc je peux pas. Bon. Oui, Paris de chaîne, effectivement, il a raison, c'est une. Oui, tiens, c'est vrai que ça pourrait être rigolo. Un petit. Ouais, on peut faire des prédictions. Attendez, je vais mettre une prédiction. Alors, je vais la créer. Comment c'est la prédiction? Alors, qui va gagner? Lucas le vampire? Ou pauvre PNJ? Astellan le nain. Ah, je lâcherai pas l'idée que c'est un putain de vampire. Donc premier sang, on est d'accord. En tout cas, pour le moment, il laisse échapper aucun trait vampirique. Hein. Oui, mais voilà. C'est juste... D'ailleurs, il a oublié son écuyer à droite, hein, l'écuyer qui est toujours en plein milieu de la rue. C'est pas faux. Ouais, je suis pas sur le bon... Voilà. Hop. C'est juste que deux connards qui se baladent dans Mordheim comme ça, tout seul, en mode « Oui, non, mais c'est pour le plaisir, sinon ce serait trop facile. Mais regardez, j'ai éventré des gens. » Vérifiez, c'était un vampire, il aurait pas pu toucher de l'argent, ça fait partie. Non, parce que comme te l'a dit Morrigan, quand tu crées un vampire, tu jettes un dé et tu as que 6. Tu as 6 faiblesses sur les 12. Alors c'est quand même... Ce serait très improbable qu'il résiste au soleil, il résiste à l'argent... Alors, qu'il n'ait pas de magie, enfin, ce serait vraiment bizarre. Bah, qu'il n'ait pas de magie, non, tant qu'il ne l'utilise pas, tu ne la verras pas, en fait. Ouais, un vampire, ça peut... tout le temps avec des objets enchantés dans tous et les sens. Et pour peu que ce soit un dragon de sang, la magie ne connaît pas le dragon de sang. Ah ouais, ouais, oui, il est son cheval, alors. Et pour un peu, c'est juste un gars qui vient du Styrlande. Moi, je suis méfiant parce que je viens de Null. Vous savez pas être aussi méfiant, vous. Je suis un nain, je suis méfiant envers tout le monde, de toute façon. Il se balade avec une elfe, mais quand il croise un pauvre noble de l'Empire, il veut le provoquer en duel, quoi. Mais
C'est pas il croise un noble de l'Empire dans Mordheim. Voilà, c'est un noble de l'Empire dans Mordheim qui vient faire sa promenade de santé. Précisez bien, un noble de l'Empire qui vient du Styrland, la plaine vampire, qui se trouve être à Mordheim, la cité des damnés, avec juste un garde du corps. Voilà. Ça fait beaucoup. Voilà, ça fait beaucoup pour une seule et unique personne. Bon, alors c'est ton init, toi. Rappelle-moi l'init, comment c'est déjà? C'est 2d10. Agilité plus 2d10. 2d10 plus... Alors je crois qu'en plus j'avais boosté mon agilité. Ah non, je l'avais pas boosté, je suis à 26. T'as gagné, quoi. Le chat a massivement voté pour Astellan, sauf que si c'est premier sang, les nains, ils ont pas d'initiative, les gars. Oui, mais les nains, on a une bonne armure et j'ai pas des possibilités de contrer assez facile. Alors, t'as combien, toi? 35. Ça se trouve, s'il a une carrière un peu avancée, lui, il a deux attaques partout, hein, on sait pas. Mais moi aussi, j'en ai deux, là. C'est vrai. Et oui, j'ai fait... Je l'ai pas prise, parce que j'ai préféré monter les HP. Mais techniquement, je peux avoir deux attaques par tour, hein, avec ma classe. What, mec, t'as choisi de pas prendre une attaque comme première stat, mais t'es un malade. Non, parce que le truc, il me semble que quand tu fais ça, c'est... tu peux pas te... Ce que m'avait expliqué Arcane, c'est qu'il faut que tu fasses... tu fais que ça. Tu peux pas conserver une position défensive. Et je rappelle que je suis le tank. Oui, mais non, en fait. Genre, la position défensive, c'est un truc, ça te prend toute ton action et ça rend le fait de te toucher plus difficile. Mais le fait d'attaquer, genre l'attaque rapide, quand t'es à une arme à une main, t'as toujours une parade et une esquive gratuite. On m'avait mal expliqué, alors. Alors, est-ce que, Arcane, est-ce que tu me permets... j'avais mis un point en blessure en plus. Est-ce que tu me permets de revenir à 13 HP et de mettre le point en attaque? J'avais pas compris que c'était comme ça. Tu mettras à la fin de la session. Ok. C'est pas pour un combat, ça va changer les choses et à la fin de la session, d'accord, ça reviendra au même. Surtout que le combat, c'est pas contre Krell, donc ça va. C'est juste que j'avais pas compris ça comme ça, sinon oui, j'aurais mis deux attaques par tour. Oui. Bien sûr, parce qu'en fait, là, ça te permettra d'utiliser l'action attaque rapide, qui te permet de lancer le nombre d'attaques, genre plus tard, t'en auras trois, tu vois, tu lanceras trois attaques avec ça. Ça te prend une action complète, mais derrière, c'est juste si jamais t'as une arme à deux mains, en fait t'as besoin de réserver une demi-action pour pouvoir parer. Mais tu peux pas l'esquiver. Et vu que t'as pas d'arme à deux mains, tu t'en fous. Après, vous avez combien d'XP dépensé, vous? Je sais plus si j'avais dépensé mon XP la dernière fois. De toute façon, c'est trop tard. Oui, mais c'est juste pour savoir si j'ai pas oublié de dépenser mon XP de la dernière session, en fait. Moi, je suis à 600. Ouais, c'est ça, je suis à 400. Par contre, tu le dis parce que ça se trouve. Non, j'ai combien? J'ai 2, 3, 4. 5, 6, j'ai 6 améliorations. Ouais, du coup, ça, t'as dépensé tout. C'est bon, j'ai tout. Ok. Oh! Esquiver les coups? J'ai mon bouclier, je peux faire ma parade. Ouais, t'en as 3 à esquiver. 3 attaques, il a? Ouais. Il a touché les 3? Ouais. Bon, on va tenter déjà la première parade. Bah du coup il y aura forcément un premier sang parce que tu vas pas pouvoir parer, enfin même si tu pares et si t'esquives tu vas t'en prendre une. Bon, parce qu'après je peux faire un sur le jet de dégâts. Hein. Potentiellement. Ouais, après, esquive la première, tu peux... Maintenant je fais une esquive, parce que j'ai paré la première, parade gratuite. Mmh. Esquive, t'as la compétence ou pas? Oui, j'ai la compétence d'esquive, parce que là j'ai jeté... j'ai jeté juste un jet d'agilité, pardon. Je crois que c'est une compétence débile d'esquive. Bah, de toute façon, c'est pareil, j'ai 26%. Avancée. J'ai 26%, donc vas-y, fais tes jets de dégâts. Ok, bon. Ok, il a combien en force, Pépère? Alors, il fait donc 11 sur la première et 13 d'accord sur la seconde. Donc je retire 7 et 7. Donc pourquoi ça fait 4 ? Parce que c'est deux attaques différentes. J'ai mon armure. Ouais, non, fait... par contre, dès qu'il y en a une des deux qui touche, enfin qui blesse, si celle à 11 blesse, la 13 il te touche pas, quoi.
Quoi ? Il se retient. Ah, donc la 11 a blessé, donc il m'a enlevé 4 HP. Donc il m'a... il m'a fait le premier sang. Je vais voler tous les points. Sachant que... Sachant qu'un échange de CC et enfin de CC parade, c'est pas juste je tape un coup, c'est un échange de coups. Mm-hmm. Donc bon là il fait en effet, bah, vous il est êtes plus rapide un... que moi. Hein. Vous êtes un guerrier émérite. Oui bah plus rapide qu'un nain, c'est pas très dur. Oui 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 bah après j'ai tanké je tanque les coups hein, mais bon. Ah je lui fais vous êtes bon. Joli coup. Donc la prédiction, c'est le vampire nain, qui a gagné. Hein. Maître nain, vous aussi, maître nain. C'est le vampire qui a gagné. Hein. Vous ne déméritez pas. Oui. On ne le verrait pas que c'est un putain de vampire, mais bon. C'est le vampire qui a gagné. Ah, pourtant, c'est des stats d'humain là, qu'il a utilisé. Yes, carrément. Trois attaques, c'est-à-dire qu'il est au moins, carrière 2, lui. Facile. Ouais. Ouais, ouais. Mais je te hais, t'avais qu'à pas tout claquer là-dessus. Faut aussi qu'on fasse un petit peu de... Tu veux savoir sa carrière ? Duelliste, non ? Bah là, il est plus duelliste, il est capitaine. Donc c'est pas un noble ? Bah tu peux commencer par noble avant d'être duelliste, en fait. C'est une des carrières que tu peux avoir après. Donc il a fait quoi ? Noble, duelliste, capitaine ? Non. Noble chevalier capitaine. Enfin, noble écuyer chevalier capitaine. Ah oui, enfin, d'accord. C'est écuyer chevalier capitaine, quoi. C'est un gros bourrin, voilà, et il paraît fringant. Niveau 18, j'ai pas besoin d'escorte. Hein ? Non, mais au moins, ça permet de savoir que le mec, bah, au moins, il mito pas, quoi. C'est pas non plus Joe Clodo, quoi. Ah, c'est un bourrin. T'es niveau 1, t'as attaqué un mec niveau 30, tout va bien. Ouais, et alors non, pas niveau 30, il était quoi ? Il était niveau... On serait à donjon, il serait entre 12 et 15. Non, il serait entre 8 et 10. 12 et 15, tu commences à avoir le statut de demi-dieu à Donjon et Dragon. Ouais, alors excuse-moi, je suis resté en 3.5. Hein. 12 et 15 maintenant, dans la V5, t'as le statut limite de demi-dieu. Mais voilà, en 3.5, il serait entre 12 et 15. Non mais après en soi c'est au moins je sais qu'il est costaud. Ah, je sais qu'il est costaud. C'est au moins tu vois les dire c'est pas les dire en mode. Ah oui non mais c'est aussi pour ça que ça le dérange pas hein, parce que ouais voilà c'est le mec quand il dit qu'il s'est fait une bande de ruffians vu la façon avec laquelle il se bat c'est peut-être pas une blague. Voilà après ça aurait pu être un beau parleur hein. C'est, non. Au moins, c'est, je suis fixé. De toute façon, quand tu te bats contre lui, tu remarques que même si d'extérieur, il apparaît en habit simple, tu te rends compte que très vite, il cache sous ses vêtements, il a 3 d'armure. Ouais, donc il cache une armure. En fait, son gambison, ça cache plus ou moins une côte de maille et des choses comme ça, quoi. C'est ça, c'est... Et d'ailleurs, quand il dit « Vous déméritez pas », j'ai fait « Joli côte de maille. Vous cachez bien vos atours. » Non, mais voilà, pour le coup, au moins, ça met au fait que le mec... Bon, 4 points de vie, en soi, je me repose une nuit, je les récupère. Hein, c'est pas la mal. Oui, justement, oui, c'est que j'ai des bandages. Techniquement, j'ai même envie de dire « Il t'en a fait qu'un, quoi. » Non, c'est juste en maîtrise. Voilà, c'est juste une estafilade, quoi. Pour, ouais, voilà, c'est. Il a fait son premier sang, il s'est arrêté, il a pas continué le coup, quoi. Il cherchait pas à blesser. Oui, voilà. Donc là, t'as pas perdu 4 points de vie. J'ai perdu un PEV. Il m'a fait une petite. Il m'a fait une petite blessure. De toute façon, il savait pourquoi on était en train de le tester en vrai, quoi. C'était pour vérifier que. Bon, ça enlève pas mes soupçons. Ça m'enlève pas mes soupçons que et le mec c'est... Avant le combat, il a bien vérifié l'épée de son écuyer pour s'assurer que l'épée était bien propre et que la blessure ne soit pas... N'est pas un problème. Non mais tu vois genre... Oui non mais c'est pas ça, c'est Ragna qui dit « Le nain il tanque mes couilles ». Le nain il tanque des personnages de son niveau actuellement, hein. Ouais, en vrai, il aurait eu que 2 attaques au lieu de 3, tu tankais pas mal, hein.
Oui, voilà, c'est au-delà de mes. C'est comme si, comme l'a dit Aldrea, c'est comme si j'étais niveau 20 et que j'affrontais. Niveau 1 et que j'affrontais un niveau 60 à WoW. Ça, tu t'es. En vrai, c'était statistiquement. C'était quasiment impossible que tu y arrives, tu vois. Mais c'est pour ça que j'ai pas. C'est pas contre toi. Mais je me doute bien, quand j'ai compris qu'il avait 3 attaques, j'ai fait ok, je pourrais en tanker une à la limite. 2 si j'ai un peu de chance. Mais pas 3. C'est le mec, voilà. Bon, ça enlève pas que pour moi, c'est potentiellement un vampire, parce que pour être aussi haut dans sa carrière, il a l'air jeune, c'est ça. Il a pas une trace de ride ni rien. Non, il a. Il a quoi? Quel âge avez-vous, cher noble? Pour être aussi habile dans les maniements d'épée, vous avez dû vous entraîner depuis des dizaines d'années. Oh, bah, il approche. Ouais, je dirais la 40. Je pense. Donc de visage, bah, il a des rides. L'âge qu'aurait un capitaine. Un capitaine vétéran, quoi. Donc il a des rides, il a des cheveux blancs, on sent qu'il a vu des choses, et voilà, quoi. Ok. Et vous vouliez qu'on affronte celui-là dans le chat? Vous vouliez qu'il y ait du sang? Eh bah putain. Non, mais je te rassure, Astellan, il avait la compétence coassommant et savait l'utiliser. Oui, bah c'est comme moi, quoi. Il y a coassommant et c'est comme moi. C'est. Non, au contraire, lui. Au contraire, ça lui fait. Ça semble lui faire plaisir d'avoir des gens avec qui discuter, raconter ses aventures. Pour, ce bon problème avec son écuyer, c'est qu'il les a déjà tous entendus 30 fois, quoi. Moi je vais lui dire, si vous désirez, nous avons un campement pas loin. Désiriez-vous venir passer la nuit avec nous? La nuit, on n'est pas encore arrivé au quartier là. Je crois que c'est ouais, le mais nuit, il est. Ouais, si on est en fin d'après-midi. On est en fin d'après-midi, donc. Oh, pourquoi pas, oui. Ce sera mieux que de camper, de camper tout seul dans la ville. Bien sûr. Pas plus agréable. Puis le lendemain, ils sont tous morts. Le lendemain, vous voyez Balidur avec 2 petites marques au niveau du cou. C'est arrivé, Eba. Maintenant, bon. Yes, oui, le vampire russe. Vous allez me respecter, je ne peux plus être saoul. Ah bah, t'as pas tiré le mieux, toi. Un vampire transformé une elfe, tu vois. C'est jamais arrivé, mais ce serait rigolo. Ça serait original. En fait, c'est techniquement possible, mais les vampires, ils veulent pas transformer les elfes parce qu'ils se disent qu'un elfe vampire, ça risque d'être trop fort à gérer pour eux, et ils veulent être les plus forts. Mais il y en a un, enfin, il y a une femme elfe vampire chez comment elle s'appelle? Alors dans tous les trucs de lore vampire que j'ai croisé, à chaque fois ils disent que non, qu'il y a pas d'elfe vampire, donc. Geneviève la vampire en croise une, justement. Il y a un vampire nain et un vampire elfe. Ragnar qui dit: je rêve d'un Kislevit vampire qui suce de la malpierre et devient un gros mutant. Pas mal. Non, parce qu'il me semble qu'à partir du moment où tu deviens mort-vivant, tu n'es plus affecté par les mutations du chaos. Si, hashtag les zombies de la peste. Les zombies de la peste, c'est des zombies de Nurgle. C'est, au lieu d'être de vivants, c'est Nurgle qui les ramène. Ouais, mais c'est des. Alors, non, en fait, je pense, Astellan, tu confonds les morts-vivants nécromantiques et les morts-vivants de Nurgle, qui sont les morts-vivants du chaos. Ouais, pour moi, c'est la même chose, mais. Non, parce que dans les règles, c'est pas tout à fait la même. Donc, on retourne à notre campement. Oui, enfin, on en dresse un nouveau, il n'y a pas de problème. Ouh, on en dresse un nouveau. Bizarrement, on a la même maison qu'il y a Pop juste là, pas loin. Il y a Sancho qui est dedans. Oup. Voilà, vous dressez un campement, il n'y a pas de souci. On le trouve à chaque fois. Lui, il est ravi de passer la soirée avec vous. Visiblement, le fait que vous ayez évoqué cette amulette, il est quand même un petit peu curieux, parce qu'il se pose quand même la question de savoir. Comme il dit, il connaissait un peu l'histoire de la famille, du coup, est-ce que c'est des vérités ou est-ce que c'est du bullshit On n'en sait pas plus que vous, on a été engagé par cette famille. Non, mais justement, rester avec vous, essayer de trouver, ça sera l'occasion de.
de faire réputation. Lui, il est pas là pour la for... il est pas là pour la fortune, hein. Il est juste là. Alors là, si on jouait à Mordheim, le vrai jeu, on aurait débloqué notre premier gros bras. Ah oui, 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 oui. Bah c'est en gros, en gros, en façon là aujourd'hui, c'était pas prévu que vous. C'était pas prévu. Enfin, techniquement, j'avais sorti les elfes juste pour emmerder le nain parce que je savais que il pourrait pas s'empêcher de faire une connerie. Absolument, il en a pas fait. Hein. Si, je les ai insultés. Ça m'a étonné que le mage y réagisse pas d'ailleurs. Bah si le mage il est... Mais il est resté muet et c'est aussi pour ça qu'ils se sont barrés sans demander, sans en dire plus. C'est que ouais bon. On aurait pu avoir de l'aide. On a fait un effort, on a fait un effort pour eux, c'est comme ça qu'ils nous remercient. Bon allez on se casse. Bah de toute façon si le mage il a été, si le mage il était assez érudit pour comprendre le nain, il sait que les nains on peut pas les blairer non plus donc. Oui 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 non mais voilà. Les ogres, même si c'est vrai que négocier avec eux, ce serait avéré difficile, c'était pas impossible. Ça aurait été pareil, une bande de gros bras. Et puis là, vous avez Lucas. Dit le vampire. Dit le vampire si ça t'amuse. Dont visiblement, les intérêts concordent actuellement avec les vôtres, et puis ça, ça lui fait plaisir un petit peu. Et en discutant avec Lucas, je lui dis, mais un combattant comme vous, comment se fait-il que... quelle est votre carrière? Parce qu'il m'a pas dit sa carrière, techniquement tu m'as dit que voilà, c'est la carrière qu'il a fait, mais lui-même non, bah, l'a pas dit. Il a dit qu'il était vétéran des champs de bataille, quoi. Mais comment se fait-il que le compte électeur du Stirland, parce qu'il me semble que chez vous les humains, chez vous l'Empire, ça fonctionne sous système de compte électeur. Puisque nous les nains avons forgé 12 épées pour vous, mais comment se fait-il que votre compte électeur vous laisse crapahuter comme ça On fout le compte électeur. Alors globalement alors, discutons avec lui, globalement, discutons avec lui, tu comprends que bah, lui, la politique, sa famille a essayé de l'y intéresser, mais qu'il a toujours été plus ou moins un guerrier né, du coup, le duel et le... toujours plus intéressé que et les arts de la guerre ont toujours plus intéressé que les intrigues politiques. Bonne nuit Céline. Surtout qu'il préfère il est ce genre de personne qui aime bien les combats parce que pendant un combat les gens ne peuvent pas mentir. Ça vous dérangerait de vous renommer Félix? Je crois qu'il y a Sancho qui est pas d'accord. Ah non, Félix c'est moi, on touche pas ce nom, oh. Mon nom trop perso, on déconne pas. Voilà, que les intrigues de cour, c'est pas trop son truc, mais que, puis que bon, de toute façon, comme c'est en temps de paix, il fait un peu ce qu'il veut, donc... Après, il sait très bien que, voilà, si le comte électeur a besoin... Il se fera sûrement réquisitionner, mais en attendant, il vit un peu sa vie, puis bon... C'est le hasard qui fait qu'en ce moment, il traîne un petit peu dans Mordheim, voir ce qu'on y trouve comme saloperie ces derniers temps. Et puis. Et votre jeune écuyer, quel âge a-t-il? Parce qu'il ne parle pas beaucoup. Lui, il a quoi? Ouais, peut-être un peu, petit peu plus vieux que Mercution ou Ebalid ou Wall. D'accord. Pour mon perso a 35 ans, hein, j'ai presque le même âge que Lucas. Et mon personnage... Non, Lucas est un petit peu plus vieux, il est plus à plus de 40 ans. Hein. Et mon personnage, lui, ça paraît pas, mais il a que 25 ans. C'est la moustache, ça. C'est la moustache. On le sait. Ouais, mais tu sais, la moustache, chez un homme... Allez, Oscar, il a quoi? Il a l'âge d'Astellan. J'ai 50 ans, moi.
Il y a 12 ans. Non, je parlais de toi, pas de ton nain. Ah, il a 12 ans, d'accord. Si t'es bas, qui est plus jeune que moi dans la vraie vie, quoi. Comment? Non, 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 on a le même âge, je suis désolé. On a le même âge, je suis désolé. Et dans un... Mentalement, je suis pas sûr. Hein. Dans un mois, tu vois, je suis même plus vieux que toi, donc... voilà. Alors j'en profite juste pendant qu'on discute, parce que c'est normalement presque la fin du scénar actuel, là, Tati. Ouais, j'en profite ouais. Juste moi pour déplacer le live de demain, je le mets directement pour le tournoi, parce que je me sens un peu KO, donc... hop, 17h. Voilà, de toute façon, on a fait quoi? On a fait 20h30... 20h30, 23h30, on a quand même fait 3h. Il y a eu de la digression, mais voilà. Je vous jure. Voilà, comme ça, vous avez normalement directement dans le programme le live de demain qui sera à 17h pour le tournoi Fresh Recruit. Il y aurait jamais le prononcé pour le tournoi des noobs de HW. En espérant que demain je termine, je passe la finale. Hein, on te le souhaite. Après 8 heures de live, j'espère juste que ça va pas, pour digresser un peu avec les poteaux, hein, j'espère juste qu'ils vont aller plus vite, en fait. Et... personnellement, c'est ça qui m'avait flingué la dernière fois. Enfin, attendre 2 heures pour 2 matchs à la con... j'avais envie de me flinguer, sérieux. Pour l'instant, ils sont combien? On est combien? Actuellement, il y a 39 joueurs, sachant que dans les 2 heures du check-in, il y en a généralement une dizaine qui arrive. Ouais, ce sera un tournoi à 50 encore demain. Un petit tournoi à 50 encore. Mais non, bah après, c'était bien sympa, et puis bon... au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas, on jettera de moins en moins de fions à la gueule. Ça s'améliore au fur et à mesure. Ouais, ça allait, t'as attaqué personne. Ah, parce qu'il y avait pas. Mais parce que mon nain n'est pas teubé en soi. C'est-à-dire que dans Mordheim, techniquement dans Mordheim, normalement, petit point lore de fin de live. Normalement, dans Mordheim, personne ne se fait confiance. Tout le monde se fout sur la gueule, en vrai. Personne se fait confiance. Un jour, je vous le ferai les mercredis soirs, Mordheim. Pour le coup, je vous le ferai les mercredis soirs. Ah oui, non, mais ça, je le sais que personne ne se fait confiance, mais... notre groupe ne devrait même pas exister dans Mordheim. Déjà, normalement. Notre groupe ne devrait même pas techniquement, exister. Techniquement, si. Mais si vous voulez, la bande peut... de mercenaires... je dois avoir Mordheim avec toutes les extensions. Avec un mercenaire nain et un mercenaire elf en plus, quoi. Ouais, je vérifie si j'ai toutes les extensions de Mordheim, mais je vous en ferai un mercredi soir si vous voulez un Mordheim en soi pour vous expliquer un peu le jeu. Alors, il est très lent. Hein. Le jeu est pas forcément beau, il est très lent, il date de 6-7 ans maintenant. Et bah, je crois que je l'avais fait, tu me suivais déjà, je crois, et bah, Mordheim. Je peux même plus me souvenir d'aussi loin. Franchement, pour je ça, je l'avais, fait, je l'avais fait quand j'étais chez Bob le Gob, Mordheim. Non, non, non. Pas spécialement la connaissance de la population mercenaire de Mordheim. Non, 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 là c'est vraiment HRP, c'est pour ça que je suis pas non plus en mode bourrin, je dégomme tout le monde. Pourquoi? Parce que, bah, mine de rien, Mordheim, en fait, Mordheim reste une ville connue même en dehors de l'Empire. Il y a quand même une météorite qui s'est écrasée en plein dans la ville en soi, donc tout le monde l'a vu, même les nains, tout le monde l'a vu. Pour le coup, ça reste une ville où, quand les groupes de Merco y vont, c'est pour ramasser de la malpierre et la revendre. Donc ils y vont, en général, c'est tout le monde veut se tuer, en fait. Pas d'autre terme, c'est tout le monde veut flinguer tout le monde. C'est pour ça que, pourquoi je suis autant méfiant de Lucas que d'Ixit le vampire. D'ailleurs, j'annonce que je vais dormir que d'un œil cette nuit, hein, Tati. Pas de problème, pas de problème. T'inquiète pas, tu te réveilleras sans une égratignure et avec tout ton sang. Mais Eba, est-ce qu'il va se réveiller sans une égratignure? Est-ce qu'il aura pas les oreilles pointues? Genre son personnage aura changé et sera devenu... un elfe? Oh, avec la malpierre, on sait jamais ce qui peut arriver. Le comte Kislevite. Mais...
Votre sang est-elle un bon, est-elle bon. Une bonne vodka? Alors, j'annonce que la dernière fois, vous n'aviez pas dépensé vos PX, surtout Eba. Même moi j'ai corrigé, que j'ai corrigé votre expérience dépensée. Ah bon, je pensais l'avoir fait. Hein. J'ai corrigé votre expérience dépensée et je vous ai donné les XP d'aujourd'hui. Donc ça fait que j'ai combien de points à dépenser là? Il me semble que tu en as 300. Tu nous en as donné combien aujourd'hui? 200. Okay. Donc j'ai 300 points à dépenser, c'est ça? Merci, Panriga. Ouais. Oh, bon, bah déjà l'attaque en plus. Hein. Si j'ai bien compris, c'est-à-dire que maintenant je peux faire... Si j'ai bien compris, c'est que maintenant je peux mettre deux attaques par action d'attaque. C'est bien ça? Par action d'attaque rapide. Mais j'ai quand même, avec une attaque rapide, si j'ai bien compris, avec mon arme à une main, j'ai quand même le droit de bouclier derrière, de bouc, si on m'attaque. Oui. Ah, ça c'est bien ça. Oh. Moi je vais avoir fini quasiment mes promotions en fait là. Bah moi j'ai quasi fini mes promotions aussi en fait. Parce que là, bah en fait j'ai fini mes promotions, c'est-à-dire que si là je remets le point, si je mets le deuxième point en agilité, ça fait 200, il me reste 100 à claquer, et le point en FM, bah j'ai fait toutes mes promotions. Oui, après je vous rappelle que vous pouvez aussi acheter les compétences de votre classe. Ah ça, on les a toutes de base en fait. On les a toutes de base. Oui, mais vous pouvez acheter à 10% ou vous pouvez monter à 10, à plus 10% par exemple. Je pense au nain en esquive. Moi, faudrait que je monte de carrière de toute façon parce que pour la magie, j'ai vraiment besoin de débloquer un lore de magie. Mais pour ça, il faut que j'ai des objets. Et du coup, bah. Ouais. Un peu galère. Ouais, si remarque, après, t'es me jeu. Ah, hein, c'est pas comme si. Tu peux. Hein. C'est pas comme si. Alors, c'est un mage des ombres. C'est vrai que c'est pas un mage des cieux, mais t'as un mage elfe qui traîne dans le coin. Oui, clairement. Je vais le retrouver, je vais aller le chercher. Je vais être. Hé, machin, tu me files un grimoire, s'il te plaît. Question, Maury. Pour passer carrière supérieure, faut avoir débloqué tous les points de stats ou. Faut avoir débloqué tous les points de stats, tous les talents. Enfin, au moins un talent de chaque, c'est-à-dire par exemple quand t'as un talent ou un autre, bah faut que t'en aies au moins un des deux, mais tu peux avoir les deux, parce que techniquement tu peux apprendre les deux. Ouais. C'est pas un choix fermé en fait. Mais que comme c'est notre classe de base, on a déjà les trucs, non? Et que, en fait ça dépend, parce que par exemple, toi il me semble, combattant des tunnels, c'est ça? Oui. Globalement sur votre classe de base, oui, il n'y a que les caracs à acheter. Oh bah c'est bon, je peux passer niveau 2. Ouais. Ça coûte de l'XP. Hein. Pas grave, je passerai au prochain truc. Alors, mais par exemple, tu vois, dans tes talents, t'as acuité auditive ou sang froid. Je les ai, ouais. Pour passer à la classe suivante, il faut que t'en aies un des deux. Bah moi j'ai sang froid. Mais ta classe te permet d'acheter les deux. D'accord. Pour l'instant, les compétences, quand t'as, Shadow, par exemple, commérage, quand tu as commérage ou marchandage, mm-hmm. Il faut que t'en aies au moins un des deux. Mais ta classe te permet d'apprendre les deux. D'accord. De toute façon, on pourra pas prendre notre niveau et la classe avancée tant qu'on n'aura pas assez de thunes pour prendre le matos qu'on a besoin. Et après, il y a, enfin, pour certaines classes, c'est assez. Il y a le brise-fer déjà chez les nains en évolution ou pas? Je ne pense pas. Je vais regarder dans Casalid. J'ai regardé dans le bouquin sur les nains, mais je pense que dans le, il y a pas de classe. Il y a les classes de porte-runes qui ont été ajoutées, qui sont pas dans le livre de base. Mais après tout ce qui est en général tout ce qui est combattant un peu spécialisé, ah si, il y est. C'est le brise-fer, il y est dans la V2. Ah ouais, c'est une classe avancée de guerrier, la carrière brise-fer. Attends, tu saurais me dire dans quel bouquin il est ou pas? Alors je l'ai trouvé sur l'héritage des anciens, le site l'héritage des anciens. Ouais, alors faut faire gaffe si c'est du fan-made ou pas, hein. Ah ouais, Warhammer Battle, Source Warhammer 1, proposé par Serpentie. Ouais, ça a l'air d'être une classe à bon. Non, mais sinon, t'as un truc qui s'appelle le
Le compendium. Je crois qu'on l'a... tu l'avais mis dans les liens, je crois. Ouais, je vous l'avais filé à tous. Le carrière compendium, voilà. Alors, Rabot, Admiral, Agitateur, Ambassadeur, Apprenti Rosmith. Parce que j'ai décidé de pas partir sur Ron Smith, trop, comment dire, trop en dehors, en fait il est trop en dehors de, du game, enfin comment dire, c'est vraiment, c'est une classe oui, qui, après, qui, j'ai qui envie est vraiment de dire, dehors, un Bricefer, c'est juste un nain avec une grosse armure et un gros marteau. Oui, possiblement un gros canon aussi. Ouais, alors gros canon ça va être compliqué, mais... Juste que je retrouve où il est le compendium. Je suis en train de regarder dedans. Je suis en train de le chercher, Eva. T'inquiète pas, dès que je l'ai retrouvé, je te le renvoie, mais je suis en train de le chercher. Parfait, parfait. Et donc il faut, enfin, parce que là je sais que j'ai 3 points par exemple en CT, 3 points en endurance. C'est combien de points là déjà que je dois mettre pour dire que ce soit complété? Alors, en fait le chiffre qu'il faut que tu bah, regardes. T'as ta limite. Le chiffre. T'as une limite. En fait... non mais déjà tu peux pas mettre 3 points. Alors hein, en fait bah... tu as carrière. Carrière, ça correspond à ton maximum, sauf que c'est le maximum en bonus de plus 5. C'est-à-dire que par exemple, quand t'as carrière 10, ça veut dire que ton maximum, c'est 2 promotions. Donc là, il faut encore que tu augmentes de plus 2, enfin de 2 promotions ta CT. Il faut que tu augmentes de 1 promotion ta force mentale. Et de 2 promotions tes points de vie. Bonne nuit, Ragna. Tu pourras nous renvoyer le lien du compendium, si vous voulez. Oui, bon, c'est... J'ai envie de te répondre, qui se trouve sur The Trove. Bah... Je vais aller chercher sur The Trove, je te le trouve. Ce qui, est, ce qui est bizarre, c'est que j'avais mis mes 4 points, et puis là, c'est revenu comme si je les avais pas mis. Non, j'ai touché à rien. Parce que j'avais mis 1 point en CC, donc j'avais 3 promotions en CC. De toute façon, c'est pas compliqué. Là, actuellement, vous êtes encore assez bas en XP, c'est facile à calculer. Actuellement, tu as. Tu as 800 d'XP, c'est-à-dire que tu as le droit de mettre 9 plus 1 dans tes caracs. Sachant que tu peux aussi mettre dans tes compétences, augmenter, de passer de prix à plus 10%. Ouais. Je vais plus améliorer mes compétences brutes, on va dire, pour l'instant. Parce que mon personnage est alors, assez faible. Le plus intéressant quand on commence, c'est de rusher la carrière niveau 2. En vrai. Du coup, je sais pas. Là, il faut encore que je mette combien de points et où. Merci, mille vannes pour le raid. Pour ta carrière niveau 2, il faut que toutes tes... Merci beaucoup Milvan pour le follow. Que tu sois à ton maximum partout, en fait. Bonsoir. Donc, 10 points dans là où je dois le mettre, quoi. C'est ça. Non, c'est... Merci Vuxa pour les follow. La fiche est mal foutue. C'est un peu le problème de cette fiche, mais... Salut les gars, vous arrivez à la fin, malheureusement pour vous. On est en train de faire le passage de level en fait parce qu'on a fini le oula merci à Vuxa Soul Snake, merci beaucoup. On est en train de faire notre passage de niveau en fait parce qu'on a fini notre scénario de ce soir qui est le 3e épisode. Merci à Alain Fournier, merci beaucoup. Ah vous avez fini? Moi je vois Warhammer V2, je raid obligé. Alors c'est le 3e épisode d'ailleurs qui finira sur YouTube. Il finira sur YouTube. Hop, je vous mets la... Merci Dad Gilbert aussi. Je vous mets le lien YouTube. En fait, je tiens à souligner le premier épisode où ton personnage n'attaque pas un autre membre du groupe. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai. Là, je vous ai affiché le compendium des carrières de... le compendium des carrières
de Warhammer V2. Je suis en train de chercher une carrière pour mon nain, sachant que je suis combattant des tunnels et que je suis le tank du groupe. Et accessoirement aussi l'assommeur de Kislevit. Et ça, faut pas dire. C'est à part partir sur guerrier ou mineur, t'auras pas grand chose. Hein. Ouais, bah je peux partir sur guerrier, hein. Warrior, mais c'est une classe niveau 2 ou niveau 1 Warrior ? Il n'y a pas un niveau, en fait, c'est que chaque carrière te donne accès à plusieurs carrières, après ça fait une sorte de... Regarde le nombre de PV qu'elle donne. Juste combattant des tunnels, c'est... combattant des tunnels, c'est quoi déjà le nom différent ? Le nom en français, en anglais. Sergent. Attends, est-ce que tu peux y avoir accès à sergent ? Protecteur. Ah mais t'as le shield breaker pour les dwarfs. Ah bah voilà. Ah mais c'est une carrière de base. Ah mais non, mais c'est le combattant des tunnels. Non, c'est Pitfighter ou c'est Pitfighter. Oh, je sais pas. Carrière exit. Ah, y a pas... ah si, bah, t'as accès à sergent, il me semble, en carrière exit. Sergent, c'est bien. Sergent, c'est une bonne carrière, ça. Donc du coup, moi, comment je sais combien de points je dois mettre avant de dire que j'ai fini cette carrière ? Non, c'est pas Pitfighter, le truc des nains. Non, mais dans tous les cas, enfin, il me semble que t'as accès à sergent, et sergent, c'est... une très bonne, c'est une très bonne carrière de niveau 2 pour un guerrier un peu. Et donc voilà, là on joue. Qui a accès. On est pour le coup, on est un groupe qui est un peu spécial. On est un groupe un petit peu spécial dans le sens où on a un nain, moi-même. On a un chasseur de primes qui veut devenir répurgateur. Qui est Sancho. Il est déjà dans son âme répurgateur, le chasseur. On a Ebalidur qui est un Kislevit. T'es un quoi toi déjà en Kislevit ? C'est quoi ta classe déjà toi, Eba ? Chasseur Kislevit. Voilà, c'est ça, Kossar Kislevit. Est un Kossar. Et on a Aldrea qui est une mage, ou alias aussi la jolie voix, qui est une... Merci une... pour moi. Mais j'allais t'introduire après. Non, mais... Laisse-moi finir l'introduction. Et nous avons aussi, donc, qui est une mage aux elfes, une saloperie de longues oreilles, quoi. Et on a notre magnifique MJ, alias Tati Morrigan, qui est, avec sa belle voix, tout en douceur et en volupté. C'est là où je gueule, allez tous crever, bande de connards, c'est ça ? Voilà. Non, c'est pour le troll. Qui est donc notre MJ. Non, c'est pas celui que j'ai. Moi j'ai. Ah non, ça c'est. D'accord, ça c'est le sergent. Ça peut être sympa le sergent. Ça a l'air d'être une bonne classe sergent, pour taper des sergent, gens. Le sergent c'est globalement la classe niveau 2 pour les guerriers en armure. T'es sûr que c'est le Shieldbreaker, le combattant des tunnels ? Bah écoute, ça a l'air d'être la même illustration. C'est pour ça que je pensais que c'était celui-là, mais. Ouais, ça doit être ça, parce que c'est le. Ça doit être ça, puisque c'est le. Ils disent que c'est une starting carrière et il y a de bonnes chances que c'est celle que j'ai pris pour le coup. Donc... Mais tu te rappelles plus de ta carrière ? Bah moi, elle est en français. Juste... Bah ouais, voilà. Ouais, ce que je te dis, c'est la même. Ouais, c'est la même. Ouais, c'est illustration. La même. Ça ressemble. Hein. Ah ouais, c'est la même. Ah ouais, non, c'est ça, c'est Shieldbreaker. Donc, du coup. Je te dis, sergent.
Sergent, bah de toute façon, t'as accès à soit sergent, soit vétéran. C'est à toi de voir. Du coup, gladiateur. Comment... Mais je crois que gladiateur, c'est une carrière de base. Tu gagnerais pas grand chose. Je vais juste regarder vétéran vite fait. Peut-être mieux le vétéran. Je sais plus. Non, mais je le regarde le vétéran. Il y a Eba qui essaye de caler une phrase depuis tout à l'heure. N'hésite pas à lui répondre. Du coup, je. Allez, bah vas-y, exprime-toi. Du coup, comment je sais alors au final combien de points je dois mettre dans mes promotions pour dire que ça soit terminé? Ben, imagine, t'as marqué dans une stat 10, il faut que tu mettes deux promotions parce que chaque promotion te donne 5% de stats. Et si jamais t'as 2 PV par exemple, tu dois mettre deux promotions parce que c'est 1 PV par promotion. D'accord, donc en fait là j'ai déjà deux promotions en CC avec une carrière à 10, donc là c'est déjà complété en somme. Ouais, c'est ça. Tu les mets ailleurs maintenant. D'accord, c'est pour ça alors que c'est revenu à zéro tout à l'heure. Très bien. Pourquoi je trouve pas le vétéran? Ah, le voilà. Plus 20 WS, c'est quoi déjà? C'est la force? Non, WS c'est la CC. La CC. Weapon skill. Ah oui. BS c'est Ballistic Skill. STR bah c'est Strange. Plus 6 HP. Ouais, en fait, mais le vétéran n'a pas de. En fait, le vétéran n'a pas les talents de guerrier que qu'a le sergent donne, mais ouais. Le sergent n'est que à plus 4 de PV. Ouais. Mais qu'est-ce qui donne le sergent en évolution? Ouais, là, je suis vraiment en train d'essayer d'optimiser. Et hein. Les deux vont vers le capitaine, donc... J'essaye d'optimiser, hein, pour le coup. À partir du moment où t'as accès au capitaine, tu te casses pas la tête, quoi. Si vous avez des conseils, que vous êtes des joueurs de... Si vous avez des conseils, donc... De Milévan, pardon... si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Je suis plus joueur à la base de, Donjons et Dragons que de Warhammer en JDR. Je dis bien en JDR. Et si tu veux des conseils, il faut que tu me demandes à moi. Je me jette sur ce non, jeu. Non mais toi ça compte pas. T'as rendu Eltharion cool. T'as quoi dans ma campagne? Ouais. Bah, on jouait la fin des temps et ça m'énervait qu'il soit con, donc oui, je l'ai rendu cool. C'est bien ce que je dis, ça compte pas, tu l'as rendu cool. Bah, c'est normal, je follow toujours les gens, c'est toujours intéressant d'aller voir de nouvelles personnes et de. Puis j'enverrai. Merci Weirdtag, j'enverrai sûrement les gens aussi vers chez toi, hein, si des fois tu live. Dites pas me pinguer, des fois j'oublie, dites pas me pinguer. Y'a pas de soucis. Il me manque plus qu'une seule promotion en CT. Ah, le sergent a accès au capitaine, mais le vétéran a accès au champion. En fait, la première carrière, elle va super vite parce que on a déjà de base toutes les compétences et tous les talents débloqués, mais la deuxième, ça va être beaucoup plus long. D'ailleurs, pour toutes les personnes sur le live, attendez, pour toutes les personnes sur le live, parce que il ou elle a été gentille. Parce que je crois que j'avais commencé avec 11 points de vie, je pense, au tout début. Et bah là, je suis à 13 points de vie maintenant. Donc là, j'en ai ouais, c'est aussi. Ton maximum. Merci Isfrax pour le follow. N'hésitez pas à lui lâcher un petit follow des familles. Ah oui, putain, c'est vrai, j'avais oublié le champion. Oh. Quelle saloperie ce truc. Après, il me semble que le sergent a accès aux vétérans. Il y a Castellan qui a fini de compléter son truc. Moi, j'ai tout fini de compléter, ouais. Ouais, il me semble que Sancho aussi avait fini. Après, faut savoir que la carrière du nain, le shieldbreaker, enfin le guerrier, le combattant des tunnels, le shieldbreaker, il a pas tant de choses que ça. Bon, bah après, c'est tu regardes les talents que tu as envie d'avoir, et puis tu vas vers la classe qui te donne les talents et les compétences que tu as envie d'avoir. De toute façon, les caracs vont suivre petit à petit. Hein. Bah là, c'est justement Trapping, Medium Armor. C'est quoi ça le Trapping? Attends, t'es dans quoi? Non, les Trapping, c'est les dotations. C'est ce que t'es censé posséder pour pouvoir accéder à la classe.
D'accord, donc il me faut une full mail armor. D'accord. Ouais, si t'as une plus 3 ou mieux. Ça, c'est ce que j'ai. Bon, bah voilà, et un bouclier. Je dis pas de bêtises. Ah non, j'ai pas une plus 3, j'ai un manteau de maille, une veste de cuir et une jambière de cuir. Et un bouclier. Ouais, donc, faudra une plus 3 complète. C'est-à-dire quoi, une plus 3 de partout? Ouais. D'accord. Ça, c'est pour le sergent. Donc le sergent est intéressant. Ça peut être cool, le sergent est intéressant. Puis il donne des trucs, il donne des évolutions assez cool. Le vétéran. Je vous laisse gérer votre truc, les gars, en même temps. Gérer tout. Le vétéran, en fait, le vétéran, globalement, c'est... normalement, t'es censé faire sergent, vétéran, champion. D'accord. C'est juste que tu peux accéder directement au vétéran, mais le problème, c'est que tu sacrifies certains des talents du sergent. Ils peuvent être utiles. À toi de voir si tu les as déjà, bah passe direct au vétéran. Si tu les as pas, est-ce que ça vaut le coup de perdre un niveau sur le... Enfin, de perdre un peu d'XP sur le sergent ou pas. Attends, je suis en train de chercher la classe du vétéran. Ah, voilà. Alors, le vétéran est typé empire, en fait. C'est ça, le truc. Oui, mais on s'en fout, ça. Ils sont tous quasiment typés humains, donc... Non, mais enfin, quand je dis, par exemple, le skill du vétéran, c'est Common Knowledge, The Empire. Ah! Non, mais ça, ça se... Ah, c'est... Bah, c'est pas déconnant, par exemple, c'est pas déconnant pour quelqu'un qui est vétéran, parce que tu... Bah, en fait, c'est common knowledge, techniquement, c'est The Empire par défaut, mais concrètement, c'est plus common knowledge, l'endroit où, par exemple, si t'es vétéran, mais que t'as bossé que en Bretonnie, ça serait common knowledge Bretonnie, tu vois. À un moment, les classes, c'est pas non plus des trucs fixes, surtout sur les common knowledge, quoi. Pour l'instant, je suis bloqué. Faut pas oublier que c'est des classes qui se basent sur le principe de les personnages ont passé toute leur campagne dans l'Empire. D'accord. Donc oui, un vétéran, bah c'est logique qu'il ait connaissance Empire au bout d'un moment. Oui. Bah après, de toute façon, actuellement, je suis bloqué. De toute façon, tant que j'ai pas une medium armor ou autre, je peux pas évoluer dans une des deux classes. Sachant que le vétéran me demande aussi une bouteille spiritueux. De spiritueux. Oh, une Bugman XXX, ça fonctionne. Ça fonctionne, en effet. Le dommage problème, qu'il c'est pas que le... ça sera plus compliqué à trouver que... Bonsoir, fanatique. Dommage qu'il n'y ait pas le Ranger, mais je sais pas s'il n'y a pas d'autres bouquins de classe. Le Career Compendium, c'est le dernier bouquin qui est sorti en Warhammer V2 et il recueille toutes les carrières de tous les bouquins. Ils sont radins avec les nains, quoi. Si jamais tu veux, je peux te le passer. Peut-être pas toutes les carrières parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait les carrières du chaos, par exemple. Mais ils sont radins avec les nains, genre il n'y a pas le Ranger, quoi. Mais le Ranger, c'est... le Ranger, c'est un Ranger, hein. Tu voulais passer sur un fils de Bugman? Jouer un vrai Bugmanson? Ça peut être drôle de jouer un Bugmanson. Et en fait, parce qu'il faut savoir que mon personnage n'a toujours pas de nom de famille, ce serait marrant qu'en fait, le mec, il s'appelle Snorri Bugman. On va plutôt faire le fils de Drogue. Non, de Bugman. Non, le fils de Drogue, celui qui a perdu son œil en protégeant la fille de Snorri, justement. Aussi, ça peut être drôle. Mais après, vous aurez plus de tank, là, pour le coup. Parce que, après, si tu veux un Ranger, tu vas te retrouver avec une illustration d'elfe. Hein. Vous aurez plus de tank, là, pour le coup, hein, je le dis. Hein. Non, faut que je reste dans la carrière de tank, vraiment, de tanking, ne serait-ce que pour le bien et la survie du groupe. Si tu veux un Ranger, tu vas voir du côté du Ghost Strider. Hein. Ah non, c'est Only Elf, merde. Après, ça va. C'est quoi son équivalent humain? C'est le Badlands, c'est le Badlands Ranger qui y ressemble. Mais on est obligé d'utiliser l'équipement de la nouvelle classe, on peut pas garder notre ancien équipement. Par exemple, je passe d'une arbalète normale à une arbalète
comment on appelle la con. Alors non, l'équipement c'est globalement, en fait c'est, enfin, tu fais ce que tu veux avec ton équipement, hein. C'est juste, en fait le principe des dotations, c'est pour expliquer le fait que ben, vous ayez minimum ce stuff pour pouvoir... ça. Il y a quelqu'un qui te demande une maîtrise et t'es obligé genre... Tu vois, par exemple, le mec qui veut faire une carrière de médecin alors qu'il a pas les outils pour, on va lui dire monsieur, non. Comme Aldrea qui veut partir sur de la magie alors qu'elle a aucun grimoire avec les sorts nécessaires. Oui, bah c'est ça, c'est pour ça qu'il va falloir que tu nous fasses trouver des grimoires parce que sinon. Après, Aldrea, bon, je pars du principe que bon. Si te manque juste le grimoire pour prendre ta classe suivante, bah je considère que tu peux le faire, mais c'est juste que tu pourras pas, tu pourras le faire sans la classe grimoire, sans le grimoire, mais du coup tu ne pourras pas prendre le talent qui te permettra de lancer les sorts, tu vois. Ouais, du coup va falloir que j'aille stalker l'elfe qu'on a croisé. Ouais, voilà, de toute façon. Toi tant comme que... moi, Aldrea, ça, je pense tant que... Tant que t'as pas le grimoire avec les sorts, c'est logique que tu puisses pas acheter le talent qui permet de les lancer. Ouais, c'est... du coup, si je veux faire de la magie, de la vraie magie, il faut que... Non, faut mais que c'est là où, normalement, dans le chat, et nous, on doit voir... en fait, il faut comprendre ce que Morrigan nous dit à moi, à toi, Aldrea, à Sancho et à Eba, parce qu'elle a dit qu'il y aurait... Elle a dit qu'il y avait un clan de Kislevit. Enfin, une bande de Kislevit, sûrement une bande de nains. On a rencontré la bande d'elfes, il y a une bande de répurgateurs. Vous les voyez pas, les panneaux side quest? Parce qu'on est tous bloqués par notre dotation. J'étais en side quest tout seul de prouver que le mec qu'on a croisé est un vampire, alors que pas du tout. C'est on a... Je suis que MJ, comme on m'a toujours dit. De toute façon, on est tous bloqués par notre stuff. Et sachant que moi j'ai potentiellement deux carrières possibles, enfin trois possibles, soit si j'arrive à choper le bon stuff, partir soit sur vétéran ou sergent. Si par malheur je brisais un serment. Tu pourras reroll. Non, pas reroll, je peux passer directement en. Oui, tu m'as compris quoi. Enfin, alors regarde, si on repart bien, tu te rappelles de ce que je voulais faire au tout départ, de ce que j'avais demandé. C'est que là, je pourrais passer de Kislevit à vétéran, de vétéran, je passe à chevalier, de chevalier, je passe à chevalier du cercle intérieur. Du cercle intérieur, mais parce que bon, champion est plus intéressant, mais. Après il fait ce qu'il veut, mais dans ce cas-là, essaye de passer sur, essaye de passer toi pour toi. Hein. Je le dis pour toi. Hein. C'est surtout vu que t'aimes bien les barbus. Si on peut faire un crochet vers le Middenland, t'essayes de te faire adouber chevalier du Loup Blanc. Grosse armure, canasson et gros marteau et grosse beubare. Non, mais après il y a les, il y a chevalier panthère, il y a. Ou panthère, les deux sont au Middenland. Hein. Loup blanc et panthère sont au Middenland. D'ailleurs, ils se font une guéguerre tous les deux. Il me semble qu'il y a Kislev. Il me semble que dans le bouquin sur Kislev, faut juste que je le retrouve, voilà. Il y a le chevalier ourson. T'as les. Tu te souviens, Eba, t'as les sorcières vu... de glace, ça c'est sûr. Mais il me semble que t'as aussi les. Les équivalents chevalier du cercle intérieur, mais pour les Kislevit. Tu te souviens, Eba, est-ce que t'étais là quand j'avais fait le stream sur Total War et que j'avais joué le Kislev? Ouais, ça me dit quelque chose. Tu te souviens des chevaliers sur Winnie l'ourson? Oui. Bah tu pourrais être un de ceux-là, c'est-à-dire que ta monture c'est un Winnie l'ourson. J'ai pas les chevaliers sur Winnie l'ourson, par contre j'ai les Winged Lancer. Ah, t'as les hussards. T'as les chevaliers ailés. Et lanciers ailés. Imagine-toi un hussard ailé polonais. À vous, ça te fait. La légion du griffon. C'est tellement. Merci Nintol pour le host. J'espère que ça s'est mis. Oui, c'est bien Nintol. Ouais, c'est ça, c'est Nintol. Ça s'est mis avant. Merci Nintol pour le host. Merci beaucoup. Nintol, j'espère que ton stream s'est bien passé. Mais là maintenant, c'est là où on va devoir regarder les carrières de toute façon. J'ai oublié de te raid, j'ai coupé trop vite. Il n'y a pas de soucis, nous on est sur la fin du live là. Merci à tous les follow d'ailleurs. Bah, moi de toute façon, je pense que je vais couper le live pour moi. Mmh. Pas de soucis. De toute façon, moi je reste encore 2-3 minutes sur le live pour discuter les gens. Et pour discuter avec les gens. En tout cas, c'était super cool. Merci à tous. Et j'espère que t'as kiffé.
Oui, bah bien sûr. T'as vu, ton perso, il a pas eu une égratignure sur ce RP là. Ouais. Ah bah, c'est surtout, j'ai mon Kiss Levit s'est bien fermé sa gueule. Bonne nuit, Morrigan. Ouais, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et merci nuit, pour le jeté. Contactable sur le en Discord, hein, si vous avez des questions. Et je vous dis à la prochaine. À la prochaine, encore bien, merci. Ouais. Salut, Maury. Coucou, Scott. Bonne nuit. Non, mais c'était une bonne séance, en tout cas. J'espère que vous avez tout ce qu'il fait. Bon, on l'a joué un peu plus finaud, celle-là. On n'est pas allé comme des bois. Hein. Ouais, ouais, j'ai fait en sorte qu'on se fasse pas tuer par des ogres, par des elfes, et qu'on se foute pas un mec de l'Empire à dos. Alors, c'est moi qui ai fait en sorte qu'on se fasse pas tuer par les elfes. Ça parce y est, que ça commence les dissensions. Le nain, il les aurait insultés direct. Mais je les ai insultés depuis le début. Je les insultais en Khazalid. Oui, en Khazalid, mais tu les aurais insultés en pas Khazalid aussi, probablement, non? Oh, c'est qu'un détail, ça. C'est qu'un détail. Imagine, regarde, on avait tué les elfes. T'aurais pu récupérer son grimoire au sorcier. Ouais, mais si jamais on va looter leur camp, on aura plus de trucs que juste un pauvre grimoire. Non, mais pour le coup, c'est là, on est dans une vraie... Là, pour moi, on est dans le... Là, on est dans le dur. C'est-à-dire qu'on va rencontrer des trucs qui sont capables de nous... Bah, là, comme le vampire... Me dites pas que c'est pas un vampire, celui-là. C'est un vampire. T'en démarre pas. Pas un vampire. Il a rien fait du tout, le pauvre. Et on a vérifié si c'était un vampire ou pas, par tous les moyens qu'on avait. Si, il faut qu'on vérifie les miroirs aussi, c'est le dernier truc qu'on n'a pas testé. Faut vérifier si le lendemain on a tout notre sang, oui. Regardez, il a la gueule d'un vampire. Parce qu'il est le pas moche. Le seul truc qui te fait penser qu'il soit pas vampire, c'est qu'il vient du Styrland. Pour moi, c'est... En fait, ok, il est super balèze, il a l'air cool, mais il fait trop Dark Sasuke pour moi, quoi. J'allais dire à Lucas... L'image peut-être, mais en vrai, c'est un vieux monsieur, du coup. Ouais. Un vieux monsieur, il a 40 ans, calme-toi, merdeuse. Bah, dans l'Empire, c'est un vieux monsieur. Genre, dans l'Empire, c'est un vieux gars. Si tu dis 50 ans, c'est déjà un miracle. Hein. D'ailleurs, oui, pour toutes les personnes qui sont encore sur le live, on fait une session de JDR tous les mois pour permettre de préparer le reste des... on en fait une par mois, on essaye pour permettre à Morrigan de préparer donc, la suite du scénar à chaque fois. Et si vous voulez, et qu'elle en a besoin, jouer des PNJ, ce qui est déjà arrivé avec Ninetol et Ragna, n'hésitez pas à aller la voir, vous lui demandez sur le Discord, et en fait, vous jouez un PNJ se transforme en PJ avec vous, en fait. C'est-à-dire, vous transformez, vous choisissez les actions du dit PNJ. Ouais, la dernière fois, Ninetol avait joué un Razorgor et Ragna, un gobelin, ils nous avaient attaqués, et on les avait tués. Ouais, j'ai cloué au sol Ragna Moche avec mon arbalète, c'était très drôle. Ouais, moi j'ai tué le sanglier avec un projectile magique. Ouais. Ouais, mais t'oublies de dire un truc, c'est que le sanglier il a foncé dans une porte avant toi. Oui, aussi. Aussi. Il a foncé dans une porte, le sanglier. C'est... Il a chargé le nain encore à corse, ça pas bien passé. Ah bah, le nain il a fait plante le bouclier au sol, tu ne bouges plus. Mais on a eu notre cher Ebalidur qui lui a mis une flèche dans la gueule aussi. Faut pas oublier. Ah non, mais il a pris super cher, hein. Ouais, ça va, j'ai pas fait tant que ça non plus. Oui, mais quand même, on reconnaît quand même tes qualités. Autre qu'aimant à bouclier. Ouais. Ou sac de frappe. Ou sac de frappe. Oui, voilà, c'est ça. Ah, et bah t'as une classe en fait. Quand plus tard tu vas avoir tes vraies stats, quand tu vas mettre une patate, tu vas arracher un mob. C'est. Mais je sais pas en fait quoi prendre. C'est ça le truc. Champion, chevalier du cercle intérieur, le machin, les bidules. Il y a trop de choses. Et bah oui, mais c'est ça qui est bien. C'est sur quoi tu veux partir. Oh, j'imaginais bien le bourrin, quoi, mais bon. Un bon bourrin. Donc, bon bourrin, apparemment, Milevan connaît bien. Bon bourrin, apparemment, t'as champion qui est bien bourrin. Ouais. Champion est bien violent. Tu as aussi tout ce qui est des chevaliers qui sont bien violents aussi. Bah ouais, c'est pour ça. Mais après, ils te donnent accès à des compétences et des stats différentes. Donc à toi d'aller voir sur le compendium, je te l'ai linké je crois normalement. Tu regardes, tu tapes champion ou knight,
Et tu regardes en fait ce que ça va te donner, et en fonction de ce que t'as besoin. Vous avez l'air fatigué les enfants. J'en connais une qui est en train de jouer à Vermintide vu qu'elle est en train de maltraiter son clavier. Oh putain, à chaque fois. Désolé, à chaque fois... tu peux mettre en push to talk si tu veux. Et moi en fait à chaque fois j'oublie que je suis en push to talk donc j'étais en train de te parler mais. Mais je sais en même temps que tu me répondais. Des mots doux en allemand. Et donc quoi en fait il y a plein on de choses. Oui. Attendez, je vais faire la outro du live et ouais. On se retrouve demain soir 17h pour le tournoi. Demain je fais un tournoi. Je vais encore décéder de mort décédante, mais voilà ma tête. Je vous souhaite à tous une bonne nuit. Reposez-vous bonne nuit bien. On se retrouve bye demain. Bye. Merci à la vague de follow et au raid de Milevan. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller lui lâcher un petit follow. Hein ? N'hésitez pas à aller lui lâcher un petit follow. Il ou elle, je ne sais toujours pas, mais il ou elle fait apparemment des lives, enfin fait des lives JDR. C'était son premier hier. Aujourd'hui. Enfin, ouais, aujourd'hui. C'était son premier, donc n'hésitez pas à aller lui faire un coucou et lui lâcher le petit follow qui va bien. Merci à Nintol pour le host, j'espère que ton stream s'est bien passé. Je vous fais des bisous, on se retrouve demain et à bientôt. Bonne nuit tout le monde. Je vais vous envoyer chez Amaras. Et merci à Morphès qui m'arrête aussi. Faut pas oublier.